Salut à tous et bienvenue dans la Matival, bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin pour un petit stream, une petite session sur le ladder, on va tester de brou un truc rapido tous ensemble pour pouvoir euh, bah, continuer à grimper le ladder, là je dois être euh, platine tier donc on n'est pas loin du diamant, euh, on, va pas, on va pas se faire prier, on va essayer de passer diamant sur, euh, sur ce live, ça serait plutôt cool avant évidemment, on va en profiter pour discuter comme d'habitude, il y a la petite partie de just chatting, euh, histoire de euh, discuter avec vous, euh, parler un peu d'actualité, parler de, de, de choses et d'autres euh, qui, euh, qui me sont arrivées récemment. C'est toujours intéressant. Salut à tous ceux qui sont déjà présents. Salut Kanyak, salut Team Cro du Dragon, salut Garnon, salut Soros. Salut Sposito, salut Jessiced, salut Maître Gogno et salut Alphinge. Comment ça va à vous sur le chat Est-ce que votre petit café est prêt Salut Major Danul. Est-ce que le petit café est prêt, prêt à couler Hop là, avec le petit Soka, le boss. Merci Mendoza. Bonjour Mendoza. Merci Velcro. J'ai inversé le bonjour et le merci. Salut Tonton Squirrel. Salut à tous les, euh, tous les arrivants. Salut Nox. J'espère qu'on va pas donner, on va pas te donner trop de boulot, pardon, euh, avec Bambichon euh, sur le montage du podcast. Parce que, alors je vous l'ai dit hier matin, j'étais invité euh, au Pince Crane pour, euh, pour pouvoir participer à un podcast. Euh, le sujet, c'est euh, le thème du multi-TCG. En gros, on allait parler et comparer, voire présenter euh, une variété de TCG, en tout cas les plus connues. Euh, de ce qu'on avait euh, dans notre besace il y avait euh, donc du coup du, euh, du Yu-Gi-Oh! Euh, on n'allait pas évidemment forcément reparler de Magic, mais il nous a servi de point de comparaison à plein d'égards. Euh, One Piece, Dragon Ball Super Card Game, Flash and Blood, l'idée étant de pouvoir un petit peu euh, euh, regarder et, et voir toutes les différences qu'il pouvait y avoir entre, entre différents TCG, que ce soit sur le marketing, sur les mécaniques, sur... Euh... Et c'était super intéressant, moi j'adore, hein, c'est mon délire, j'adore parler de, de TCG, vous le savez, euh, vous le savez sur la chaîne, c'est mon... Mon petit péché mignon de regarder ce qui se passe ailleurs, de, de jouer, tester de nouvelles mécaniques, d'aborder même l'aspect le, le, compétitif de chacun de ces TCG-là, c'est quelque chose qui me passionne. Donc forcément, euh, m'inviter sur un podcast pour en parler, c'était exceptionnel. Alors évidemment, dans un, dans un podcast, c'est un, un moment restreint qui est encadré, euh, on aurait pu en parler 5 heures, je pense, et il fallait quand même qu'on coupe à un moment, donc on n'a pas du tout pu parler de, de tout ce qu'on aurait voulu, mais... Euh, mais voilà, c'était plutôt sympa. Mais du coup je te dis que, que, que ça va peut-être pas être facile pour le montage parce que moi je me rends compte en fait. Euh, je me rends compte que j'ai du mal à cadrer mes pensées, catégoriser mes pensées, et je m'explique. En gros, dans un podcast, il euh, y a une espèce de runner thème par thème où on va décliner du coup, euh, on va avoir une espèce de suite logique thème par thème pour aborder des sujets précis sur lesquels on va parler, puis passer sur un autre sujet. Euh, et moi, en fait, venant du live, et étant quelqu'un qui est un peu bavard, qui aime, qui aime bien échanger, discuter, quoi, au global, j'ai du mal à être cadré par un thème. C'est-à-dire que mon cerveau, il fonctionne un peu de cette manière, du genre... Euh, on est en train de parler d'un truc, puis ça me fait penser à un truc, donc du coup je rebondis sur un autre truc, puis ce truc-là me fait penser à un autre truc, puis par association ça m'emmène sur un autre truc, et j'ai une espèce de parasitage de cerveau instantanément qui m'oblige à avancer non pas au fil du conducteur et du thème, mais au fil de ma propre pensée. Et c'est vachement dur, j'ai trouvé euh, du coup de me cadrer à un thème, de ne pas commencer à parler de quelque chose dont on parlera dans un autre thème plus tard. Euh, j'ai trouvé l'exercice pas facile, c'est l'exercice du podcast évidemment, et... Euh, et ouais, je trouve que je digresse beaucoup et que mon cerveau est, est, est digressant de base en fait. Et je sais pas d'où ça vient, je sais pas qu'est-ce que ça raconte de moi, euh, je, je sais pas euh, le, le, de, de théoriser euh, euh, quel est le type de fonctionnement de mon cerveau, mais voilà, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de mal à rester caté catégorisé dans un thème parce qu'une idée m'envoie vers une autre et ainsi de suite. Et, euh, et des fois, c'est vrai qu'on avait tendance à sortir du thème pour parler d'un thème qui allait être abordé plus tard. Il y avait une espèce du coup de... de pont entre... Euh, entre les thèmes et, et je... Peut-être qu'au montage, Nox, ça va être un peu chiant pour toi, je suis désolé quoi. Mais euh, en termes de discussion, on s'est régalé, c'était grave cool. C'est l'effet radio désiré. Bon bah tant mieux alors. Super. <coughs> Donc, euh, donc ouais, c'était grave cool, j'espère que, que ça vous plaira, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast sur la chaîne du, du Pince Crane qui anime d'ailleurs plein d'autres podcasts, hein, de ce que j'ai compris c'était le 32e podcast, donc il y a 31 podcasts à écouter si vous voulez euh, sur le chat, n'hésitez pas. Et, euh, et j'espère que celui-là euh, vous plaira, que ça pourra même vous donner envie de zioter un peu euh, les autres TCG. Hein. « Mécaniquement, si tu t'impliques dans tes propos, l'auditeur aussi. » Ah ben moi, moi, je suis surimpliqué impliqué Nox, je suis parfois même trop impliqué. C'est juste que j'aurais du mal à faire une chronique, mais bon là, c'était pas l'idée, mais j'ai surtout du mal à me cantonner à un thème. Euh, en fait, lorsqu'un thème est large et varié, de le sous-catégoriser en sous-thème, j'ai beaucoup de mal, parce que voilà, j'ai une idée qui m'emmène sur une autre, et il se peut que l'autre idée sur laquelle m'emmène mon cerveau soit pas dans le thème dont on est en train de parler, mais dans le thème d'après. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'était frustrant de ne pas pouvoir suivre le fil de l'idée de mon cerveau. Et quand bien même des fois on l'a suivi, quoi. Tout simplement. Donc, des fois j'ai emmené Bambichon, peut-être sur des trucs où il voulait aller plus tard, je sais pas. Mais c'était... Euh... Après c'était intéressant, on a bien discuté et je pense que ça s'écoute quand même bien. Mais, mais c'est peut-être moins cadré que, que ce qu'aurait voulu le runner initial. Donc voilà, super bien. Et ouais, les... les... Peut-être que ça vous donnera l'envie de jeter un oeil, d'avoir la curiosité de voir ce qui se passe sur les autres TCG. Des fois, ça permet de relativiser euh, ce qui se passe sur Magic. Des fois, ça permet euh, d'être encore plus fané de ce qui peut se passer sur Magic euh, à certains moments. Et puis au global, moi je le dis souvent, euh, je trouve qu'on n'est pas assez rassemblé sous la, la communauté des joueurs de TCG. Je trouve que t'es vraiment, genre t'es magicien, t'es yugiste, tu joues à Flesh and Blood, mais on n'est pas des joueurs de TCG, tu vois, il n'y a pas un nom, il n'y a pas... Il n'y a pas des TCGistes, tu vois, il n'y a pas le côté gamer, en fait. Tu joues à Call of Duty et, et Intel joue à Fortnite, par exemple, euh, bah c'est pas du tout le même jeu, ils ont du coup pas forcément les mêmes envies, mais en fait, ces gens-là, c'est des gamers, quoi, et ils vont dans les mêmes conventions, et ils vont se retrouver des points communs, quand bien même leur jeu n'est pas le même. Il n'y a pas ça euh, avec les TCG, quoi, je trouve. Il n'y a pas... Euh... Alors, t'as le gars TCG qui a commencé à mettre en place ce genre de ramification... Vers une espèce de strat supérieure aux joueurs de TCG, auxquels on a participé l'an dernier et dont on a fait un vlog bien évidemment. Euh, donc c'est une des initiatives qui va dans le sens dont je parle, mais au global je trouve que c'est assez hermétique. Euh, les, différentes, euh, les différents TCG ne communiqu communiquent pas du tout, je pense qu'ils se voient tous comme des concurrents. Euh, il n'y a, euh, a pas ce côté, gamer. On est tous des gamers, qu'importe au jeu auquel on joue. Bon bah là, on n'est pas des TCGistes quoi. C'est vraiment tu t'es catalogué à un TCG. Et... Bah moi je, je trouve ça un peu dommage parce que j'ai vraiment cette curiosité de, de regarder ce qui se fait ailleurs et ça me permet des fois de revenir, avec, de revenir sur Magic avec encore plus d'entrain en fait. <coughs> TCGistes, si j'entends ça dans la rue, j'ai l'impression qu'on parlera de, de la prochaine manif. Ah bah ouais, ouais j'imagine. C'est vrai que c'est marrant. Salut <coughs> PL. J'ai du mal à m'impliquer dans d'autres TCG depuis la fin de Seven Fallen euh, dans lequel je venais de me lancer. Après, il faut choisir euh, le bon TCG. Il y a des TCG dont tu sais qu'ils ont une espèce de V... De... De, de pérennité un peu certaine. Euh, je prends le cas euh, d'un truc comme euh, Yu-Gi-Oh par exemple ou Magic qu'on a 20 et 30 ans d'existence. Tu sais que quand tu te lances dans Yu-Gi-Oh et Magic, t'as pas de galère. Ça va pas s'arrêter demain. Après, t'as d'autres euh, TCG qui sont plus récents, donc ont des marqueurs positifs à tous les niveaux. Je prends notamment Flesh and Blood. Flesh and Blood qui a eu une croissance de, euh, je sais pas, 3000% en deux ans, euh, euh, qui est édité euh, par euh, James White qui est un ancien de chez Wizard, euh, qui a une communication qui est vraiment très transparente. Seven Fallen, c'est c'est pas pour appuyer là où ça fait mal, euh, Maître Gogno, mais moi, avec PL, dès qu'on a entendu parler de Seven Fallen, il m'en parlait, euh, PL. Je lui ai dit, franchement, j'y crois pas beaucoup. J'y crois, crois pas beaucoup à Seven Fallen. Il n'y avait pas tous les marqueurs qui étaient ouverts Il y a un, une mode de distribution qui est extrêmement bien pensée dans l'idée, hein, mais qui est forcément un énorme défaut euh, pour euh, un TCG, pour de la carte au global. Quoi. Euh, quand bien même qu'on ne soit pas d'accord avec ça, je l'entends, mais force est de constater que pour le grand public, c'était un défaut. Le fait que les arts soient pas forcément faits par des illustrateurs, mais soient des images libres de droit Google. Enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout dans Seven Fallen. Et si tu veux te lancer dans un TCG, euh, c'est bien quand même de regarder, entre guillemets, si ton TCG, tu pourras y jouer dans 3-4 ans. Quoi. Moi, j'ai arrêté typiquement de jouer à Dragon Ball Super Card Game en raison parce que je crois peu à la pérennité de ce jeu-là. Tu vois pour le coup Ton Seven Fallen c'est un peu mon Dragon Ball Super Card Game. Sauf que j'ai joué des années à Dragon Ball Super Card Game, c'est sorti en 2017, j'ai commencé le jeu à, au, au tout début en fait en 2017 et j'ai arrêté parce que c'est une licence Bandai et qu'en fait les licences Bandai bah Bandai c'est pas un éditeur de TCG, c'est un éditeur de licence. Et donc, quand Dragon Ball Super Card Game, à moins la cote, bah, ils vont sortir One Piece. Ils sortent One Piece. Et puis, bon, dans 4-5 ans, si One Piece, c'est plus. Euh, quand le manga sera fini et que les gens ne veulent plus nécessairement entendre parler de One Piece, ils te sortiront le, le, le TCG Jujutsu Kaisen. Et, et ça, ça me pose problème aussi, tu vois. Donc, euh, ouais, il faut faire attention au TCG dans lequel tu te lances. Mais globalement, si tu prends le Big Free slash le Big Four, Big Five qui va arriver sur la scène, c'est-à-dire Pokémon Magic Yu-Gi-Oh!, tu peux estimer que Flash and Blood dans 10 ans c'est dans le big four au vu de leur croissance de leur communication et de tout ce que ça englobe et tu peux imaginer que leur cana, avec la puissance de Disney va pas s'arrêter là non plus sachant que c'est multi licence et que c'est sans fin et qu'ils ont justement l'avantage que n'a pas Bandai c'est qu'ils ont pas fait un TCG juste sur la Reine des Neiges par exemple tu vois euh, ils ont fait un TCG multi licence du coup ils vont pas invalider une licence pour en sortir une autre ce qui fait que normalement leur cana, globalement ça devrait rentrer dans le dans le, dans le top 5, je pense, Big Five, on en reparlera dans des années, tu vois, et, euh... et c'est vrai que si tu te tournes vers ce genre de TCG-là, t'as pas trop de risques. Par contre, si tu vas sur des trucs plus de niche, un peu plus compliqués, où tu sens quand même qu'il y a beaucoup de réserves, qu'il n'y a pas une grosse communauté et tout, bah c'est vrai que c'est là où tu peux te tu peux... Te, te sentir un peu puni, quoi. Et c'est pour ça, moi, que je vais pas. Quand bien même j'ai adoré Dragon Ball Super Card Game en termes de mécanique, et quand bien même le jeu One Piece me fait de l'œil, je me refuse un peu d'y aller tant que j'aurai pas la certitude que One Piece a volonté de pérenniser beaucoup plus que que Dragon Ball Super Card Game. Et je ne fais pas confiance à Bandai. Il faut regarder le nombre de TCG qu'a sorti Bandai depuis les années 2000. Il n'y en a pas un seul, tous sont devenus des dead game, Quand tu te mets un TCG, on a l'illusion euh, que ça ne s'arrêtera jamais. Euh, c'est sûr que Magic s'arrêtera à un moment. Mais dans combien de temps Si c'est dans 50 ans, je deal avec ça, tu vois. Et, euh, et j'ai pas cette confiance-là envers Bandai. Et je l'avais pas du tout envers Seven Fallen. Euh, pour le coup. <coughs> si je suis toujours là dans 10 minutes, me Kick, <laughs> ça marche PL. Merci pour le, pour le prime, euh, Nil6. Merci euh, Chaplain Safon. Merci beaucoup pour, le, pour les subs. Tu as raison, ça me servira de leçon à l'avenir. Ouais, l'idée, c'était pas de te donner une leçon. Moi, je suis personne pour donner des leçons. Mais voilà, il y a des... Il y a des jeux, vaut mieux attendre de voir un peu où ils vont, quoi. Ça te dérange si je viens faire un petit Donkey Kong derrière toi <laughs> Vas-y, régale-toi. De ce que j'ai entendu de l'Orkana, ça sera pas un jeu avec un rythme de sortie barbare, genre moins de 400 cartes par an. Plutôt, plutôt une bonne chose. Vous avez vu le trésor détruit dans une décharge US. Ouais, ouais, ouais. Des palettes de Modern Horizon 2 en partie. Euh, Infinity. Et, et un peu de 30e anniversaire. Au vrai, Ozef, ça m'en me, ça touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Tu peux rajouter Hearthstone même si c'est digital only. Ah, oui, 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 dans les mécaniques, oui. Allez, on peut dire que t'es un joueur de TCG si tu joues Hearthstone, mais... Pour moi, ça reste du jeu numérique. Assassin's e sport euh, La plupart des joueurs de jeux vidéo jouent déjà Hearthstone, tu vois. Pour moi, c'est des gamers, les gens qui jouent Hearthstone. Il n'y a pas de version papier de ton jeu. Euh, je préfère essayer d'encadrer tous les jeux papier euh, d'un côté. Et euh, on va dire Hearthstone, c'est un pont. Un, 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 au même titre que Magic Arena et Master Duel. Comment ça, Magic va s'arrêter Bah, il y a un moment. Je sais pas quand, mais ça s'arrêtera. Mais tu vois, tu sais que globalement, tu le connaîtras peut-être pas à cette période où Magic va s'arrêter. Ouais, t'as raison Nox. Effectivement, les TCG au Japon sont traités comme des modes éphémères. Il y a. Euh, vous savez, nous, on a cinq, 6 TCG qui sont connus, qui, qui fonctionnent euh, dans le monde occidental. Vraiment de gros TCG et tout. Au Japon, il y en a 50, 60, 70. Euh, des boutiques de TCG, il y a des boutiques sur cet étage. Il y a euh, des magasins de vente de cartes et, et où tu peux jouer à tous les coins de rue. Enfin, c'est. Euh, le TCG là-bas, c'est comme le jeu vidéo, il y en a partout pour tous les goûts, pour tout le monde. Tu peux euh, avoir un TCG sur n'importe quelle œuvre euh, manga euh, qui sort euh, au Japon et qui commence à avoir un petit succès d'estime quoi. Euh, le TCG au Japon, effectivement, c'est consommé comme ça. Et moi, je, au prix où ça coûte, je ne veux pas consommer le TCG comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça que les TCG Bandai, je, je m'en méfie. Je m'en méfie de, de fou quoi. Je m'en méfie à fond. Mais oui, c'est vrai que le TCG au Japon, c'est pas du tout vu comme chez nous, quoi. Il y a des... Je dis des cinquantaines, mais il y a des centaines de TCG. Il y a des TCG où le thème, c'est... Euh, euh, c'est d'avoir euh, des jeunes filles de manga en tenue d'écolière, quoi. Et c'est un TCG, tu peux jouer avec, quoi. Je pense que ce qui m'avait permis de céder aussi vite, c'est le prix d'appel qui était vraiment bas par rapport aux autres TCG. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, les coûts étaient réduits, la qualité des cartes n'était pas très bonne, et les illustrations étaient libres de droits, donc forcément... Euh, Ouais, le prix d'appel était bas, ouais. Le jour de l'effondrement. <laughs> C'est quoi le nom C'est pour un ami je, je connais pas le nom des fights. Allez au Japon, il hein, y a des, des boutiques de cartes partout. Vous allez, vous allez voir, il y a, y a vraiment de tout. Et en même temps, la population consomme du TCG, c'est beaucoup plus mainstream que chez nous, tu vois, au global. Il dire qu'il y a 100 TCG différents, mais c'est aussi pour un public qui est beaucoup plus large. Tu vois, nous au final, les joueurs de cartes en France, on reste quand même un peu, un peu restreint, quoi. Que Yu-Gi-Oh se soit autant pérennisé, c'est presque une anomalie. Euh, cool anomalie, cela dit. Ouais, bah après Yu-Gi-Oh! l'avantage c'est que c'est le jeu euh, oriental entre guillemets, enfin japonais, quoi. Euh, qui a pérennisé en Occident. Je, je pense qu'actuellement, euh, si tu regardes en France, aux États-Unis, dans le Big Fruit dont je parle, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, si tu prends spécifiquement les gens qui jouent au jeu, parce que sinon Pokémon est l'exception, c'est Pokémon qui est le plus populaire, évidemment, hein. il y a beaucoup plus de cartes Pokémon qui sont éditées et vendues que de cartes Magic. Mais si tu prends euh, le fait que les gens constituent des decks et jouent, je pense que Yu-Gi-Oh! pérennise même beaucoup plus que Magic, c'est incroyable! Bah, je veux dire quand il y a un GP qui est annoncé à Lyon, il y a 2400 joueurs, c'est vendu en une heure, quoi, les places. Nous, euh, nos GP actuellement à Magic ils font 400 joueurs, quoi. Soit 6 fois moins. Donc. Euh, ouais, ouais, Yu-Gi-Oh! c'est. Bah Yu-Gi-Oh! ils ont tout, quoi. Ils ont. Euh, euh, ils ont ce côté. C'est un jeu qui a 20 ans, donc qui pérennise naturellement. Et en même temps, ils ont ce côté vitrine que n'aura jamais Magic. Parce que Magic, il faut que tu adhère au jeu pour connaître le lore et apprécier le lore. Il n'y a pas de scène d'entrée. Il bon, y a une série Netflix qu'on attend qui pourrait aider, mais qui n'arrive pas. Euh, alors que Yu-Gi-Oh, il bah, y a une vitrine naturelle. Quand es mino, tu regardes Yu-Gi-Oh, quoi. Voilà. Ça, ça change tout en fait. Ça fait que les gens se mettent naturellement plus jeunes à Yu-Gi-Oh. Déjà en partie. C'est le Je crois que c'est Story Goddess. J'ai vu un mec en vente des centaines sur le Bon Coin. <laughs> Mais je pense qu'il y en a plein des TCG qui reprennent la formule dont je te parle, Nefate. Après, il n'y a qu'un seul format Yu-Gi-Oh! Exactement! Il y a aussi le fait que Magic ait morcelé son audience en dissociant bien des types de profils différents. Mais c'est un défaut qui est une qualité aussi. Parce que moi, je le répète sans cesse, Magic, qui que tu sois, ou que tu sois, quoi que tu veuilles, avec qui tu le veuilles, tu as un format qui est pour toi. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde en fait, peut jouer à Magic et il trouvera forcément euh, une manière de s'amuser, un point d'entrée accessible en fonction de son budget. Magic c'est le jeu qui s'est adapté à tous les types de joueurs et tous les profils. Euh, donc forcément, bah oui, c'est très morcelé quoi. Et donc du coup c'est difficile de mettre 3000 joueurs qui veulent la même chose dans, le, dans la même salle. Là où Yu-Gi-Oh, globalement, euh, tu veux jouer à Yu-Gi-Oh! Bah, c'est en tournoi. Y a pas de, ça n'existe pas le casual play à Yu-Gi-Oh! Tu peux être un joueur casual toi, mais tu es obligé de jouer en compétitif. Parce que c'est très... Les gens aussi ne dissocient pas le fait d'être un joueur compétitif et de faire du compétitif. Moi je fais du compétitif parce que ce qui m'intéresse c'est les decks méta, les tournois. Mais je ne suis pas un joueur compétitif, je n'ai pas d'ambition compétitive et je ne prépare pas mes tournois de manière compétitive. Donc à Yu-Gi-Oh! tu as plein de joueurs casual qui sont obligés de jouer en compétitif. Moi je suis un joueur casual qui joue en compétitif à Magic. Ça me va, je deal avec ça. Mais je pourrais être un joueur casual qui joue en casual à Magic. Parce que Magic me permet de faire ça. Ce qui n'est pas le cas du Guéo. Donc évidemment que ça permet de concentrer la masse, tu vois, évidemment. Sur le, le même truc, quoi. Non, mais c'est vrai, Nox. Je... C'est le côté euh, « tu marseillises le propos pour le faire entendre euh, ». Évidemment que la situation actuelle de play de Magic euh, n'est pas forcément la bonne vitrine à prendre pour euh, comparer les deux, euh, les deux mais... Je veux dire, Yu-Gi-Oh! sort aussi du Covid, tu vois. Ils ont trouvé le moyen de capitaliser à fond là-dessus sur le retour de, de leurs événements, ce que Magic n'arrive pas à faire, hein, force est de constater, quoi. Va le faire un podcast, s'il te plaît. Mais <laughs> bah, C'est bon, j'en ai fait un. J'en ai fait un hier soir. J'arrive, ça mentionne la série Netflix. Alors, on sait pas où aller, hein. On sait pas où aller. <coughs> Merci pour le prime, Thaïsien Savoyard. Yu-Gi-Oh mise tout sur l'anime. Bah euh, non, non non, ils ont juste un anime qui sort euh, saison après saison, euh, ça leur sert de point d'entrée mais quand tu joues au jeu, moi je, très honnêtement, j'ai joué à Yu-Gi-Oh et même si moi j'étais un joueur casual qui débutait, je me suis intéressé, j'ai joué en compétitif, tu ressens pas du tout euh, tu ressens pas du tout le poids de l'anime, le, le enfin genre l'anime. Euh, si tu joues, je, tu peux jouer à Yu-Gi-Oh sans savoir qu'il y a un anime. quoi. C'est un point d'entrée pour les jeunes, mais moi qui me suis mis à Yu-Gi-Oh à, à 29 ans, alors, l'anime, anime, pas anime, comme dirait Makalele, euh, rien à foutre. Hein. Ça n'a aucune. Euh, aucune importance, quoi. Yu-Gi-Oh! <coughs> a pas Legacy qui gère le bousin, je sais pas à quel point ça influence. Ouais, mais il y a plein de facteurs euh, qui, euh, qui font que. que le taux de représentation. Euh, des joueurs en tournoi à Yu-Gi-Oh! est beaucoup plus élevé. Justement, le fait qu'ils aient pas morcelé différents profils et que si tu veux jouer à Yu-Gi-Oh! c'est tous dans la même salle, qu'importe l'envie qu que tu tué ça, ça joue beaucoup et tout. Et effectivement, ils ont pas Legacy qui gère le bousin, euh, ils ont pas eu un changement d'organized play euh, tous les ans depuis 4 ans. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Mais tu vois, au-delà de ça, si on prend pas l'organized play qui, du coup, dessert Magic actuellement par rapport à Yu-Gi-Oh!, tu prends juste les créateurs de contenu en France. Les gens qui parlent de Yu-Gi-Oh! Et le nombre de créateurs de contenu qui ont entre 10 et 15 000 abonnés, par exemple, sur YouTube, bah est beaucoup plus élevé sur Yu-Gi-Oh que sur Magic. Tout simplement. Donc tu as quand même une plus grande visibilité si tu cherches du contenu sur Yu-Gi-Oh que sur Magic. C'est exactement le même cas pour... Euh, euh, Je parle en francophone, mais si tu regardes aussi aux États-Unis, les plus gros créateurs de contenu Yu-Gi-Oh ont des millions d'abonnés. Ce qui n'est pas du tout le cas des créateurs de contenu Magic. Donc déjà, ne serait-ce que ça, tu... Je sais pas si c'est un marqueur déterminant de la popularité d'un jeu, mais ça commence à faire plusieurs marqueurs, tu vois. Ouais, c'est plus mainstream, exactement, c'est juste plus mainstream. Alors que Magic, malgré tout ce qu'ils font pour essayer de se mainstreamiser, ça reste un jeu de niche. Comme disait PL quand il faisait son PTQ à Marseille, la maman qui passe, elle dit à son gosse, il joue aux elfes. Ouais ouais, on joue aux elfes quoi, dans la tête des gens tu vois. Il n'y a pas de concept de RL chez Yu-Gi-Oh. Non non non, je crois pas, je crois pas que ça soit, euh... je crois pas que ça soit déterminant non plus. Magic c'est sombre. Bah. Euh... Magic, c'est sombre. Si tu regardes les derniers sets, ça allait pas. Hein. Si tu fais euh, Kamigawa, euh, Dominara United et tout, ouais, les Phyrexians c'est un peu sombre. Mais je veux dire, on est loin de la dark fantasy des premiers sets, quoi. On est loin de ce que fait Flesh and Blood. Y a pas de crâne éclaté sur nos cartes, quoi. Enfin, genre au contraire, on est vachement sorti de ça. On est vraiment juste dans du fantastique euh, pur et dur maintenant sur euh, sur Magic. C'est plus sombre en tout cas. Magic et ça, je veux dire X-Alan c'est pas un set qui est sombre, tu vois. Ils, ils ont plus envie de ça en fait. Mais dans la tête des gens, ouais. Il joue à quoi C'est pas elle qui m'a raconté cette anecdote, c'est incroyable. La maman, elle a dit, euh, son fils rentre dans une boutique avec la maman pour, je sais pas, peut-être acheter du Pokémon. Et puis il voit plein de gens assis à une table qui font un PTQ, tu vois. Et le gosse, il dit, mais ils font quoi, maman Et la mère, elle a répondu, bah, ils jouent aux elfes. C'est à la fois mignon et très condescendant. Mais c'est ce qu'on fait dans la tête des gens. Ah ouais, ils jouent aux orques, aux elfes, là. Ah, c'est les, les geeks. Ouais c'est très agréable de jouer à Yu-Gi-Oh! C'est des sensations très différentes de Magic. Yu-Gi-Oh, ça coûte bien un deck compétitif. Oui, mais au même titre qu'un qu deck Magic ou qu'un deck Flash and Blood. Ça pour le coup en termes de finance tout s'équilibre quoi. Il euh, y a des joueurs de Yu-Gi-Oh! qui ont l'âge des magiciens. Moi, je, je dirais que l'âge moyen des magiciens, c'est entre 25 et 34, ce qui est à peu près, nous, notre cœur de cible sur YouTube. Euh, nous, on a plus de 50% des gens qui nous regardent contre 25 et 34 ans. Il y a plus de gens de 34 ans et plus que de gens de 25 ans et moins. Attention, par contre, cela dit. Donc, euh, on va dire que c'est 25-40, je pense, le cœur de cible de, 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 de Magic. Euh, Yu-Gi-Oh! Il y a quand même beaucoup de trentenaires. Hein, mais effectivement, je pense qu'il y a plus... C'est-à-dire qu'il y a à peu près autant ou à peine moins de 25-34. Par contre, à l'inverse, eux, ils ont moins de 34 ans et plus, et beaucoup plus de 25 ans et moins. C'est ça la différence. Moi, j'adore le gameplay de Yu-Gi-Oh, mais faut, faut adhérer, faut comprendre, faut, faut pas penser magique quand tu joues à Yu-Gi-Oh. Faut te dire que c'est un TCG qui est complètement à part entière, qui a la force justement de pas s'être inspiré des mécaniques de Richard Garfield. Euh, ce que beaucoup d'autres TCG ont fait euh, avant et après lui et du coup n'ont pas marché quoi l'avantage de Yu-Gi-Oh c'est qu'il a son propre système sa propre tempo ses propres dynamiques et c'est ça qui le rend très, très fort bah c'est pas vrai turn black là tu rentres dans les tu dans les faux euh, dans les dates détractation de Yu-Gi-Oh euh, c'est full combo T1 et si pas de quoi contrer ton opo, lose c'est nul de parler en termes de tour à Yu-Gi-Oh parce que parce qu'effectivement, Yu-Gi-Oh tu vas jouer 1, 2, 3 tours, mais en fait, en 1, 2, 3 tours, tu auras décliné 15 interactions euh, entre ton deck et, et ton adversaire, et ces 15 interactions à Magic, tu les aurais déclinées en euh, 7, 10, 15 tours. Donc en fait, sur une partie de Magic, tu vas interagir 15, 20 fois avec ton oppo, sauf que ça va être temporisé en 15, 20 tours, ça va prendre 20, 30 minutes. Bah Yu-Gi-Oh c'est pareil, tu vas avoir 15, 20 interactions avec ton adversaire, déclinées en 20, 30 minutes, c'est juste qu'en termes de tours, ça va être réduit. Mais la sensation est la même. Tu as joué une partie intéressante et interactive. Et moi, le côté, quand j'entends et qu'on fait ce raisonnement par rapport à du jeu Magic, ou qu'on te dit Ah, Yu-Gi-Oh! c'est du vintage, tu kills T1, c'est pas vrai, quoi. J'y joué récemment, c'est faux. Après, il y a des méta qui sont plus ou moins fair play. Je suis d'accord, Turn Black. Il y a, y, a y, a, y a des decks qui vont réussir à te FTK. Et Je suis d'accord, attention. Mais j'entends trop souvent ça du côté des, des joueurs de Magic qui parlent de Yu-Gi-Oh! Et un peu à tort. Ça a juste pas du tout la même dynamique et le même timing. Moi, c'est pas les cartes, Yu-Gi-Oh! qui me bloquent, c'est plus le jeu. Après j'entends. Hein. J'extrapole bien évidemment. Non mais voilà, je préférais le préciser de Turn Black. Ils ont la main plus facile pour les bannes. Ah ben, bah, tu sais, quand t'as pas de rotation euh, et que t'as un peu de power creep mais que tu peux pas power creep à fond les ballons, le moyen de créer des rotations artificielles, c'est la banlist, ouais, PioCN. C'est la banlist qui régit ce que les gens ont le droit de jouer, exactement. Je me rappelle que quand je jouais Salamangrette, ça prenait 15 tours. Parce que c'était un deck de ressources, un deck de grind, un deck midrange, bien sûr. Tu peux aussi avoir des, des, des decks qui, prend, qui prennent 15 tours, tant de black. Mais je veux dire, dans ce cas-là, si ton deck il prend 15 tours, tu vas pas avoir 15 effets dans ton tour. Alors que là, par exemple, si tu joues, euh, j'en sais rien, Sprite ou euh, Thierry Chizu. Enfin, Attends, c'est banni, mais. C'était la dernière méta là, que je regardais et tout. Bah, dès les 2-3 premiers tours, les deux joueurs avaient échangé 10-15 interactions, quoi. Ce, ce qui aurait été le même nombre d'interactions que tu aurais échangé en une partie de Magic. Les bans sont rotatifs à Yu-Gi-Oh! C'est à dire. C'est quoi la notion de ban rotatif, Nox, pour toi Il y a juste une banlist tous les 2-3 mois qui vient, entre guillemets, euh, pas tellement assainir le format, mais renouveler les possibilités du format. C'est là où c'est un peu traître chez Yu-Gi-Oh! C'est que ta banlist, elle sert à la fois de rotation et d'équilibrage. Et c'est là où, du coup, Yu-Gi-Oh! a un vrai défaut par rapport à Magic, qui Magic a à la fois une banlist d'assainissement mais une rotation de renouvellement. Flesh and Blood est très malin dessus aussi, parce que Flesh and Blood a une bonne liste d'assainissement, mais euh, une rotation artificielle bien pensée, qu'est le Living Legend. Quand ton héros gagne trop de points, et eh bien, au bout d'un moment, il devient Living Legend et que tu peux plus jouer, il se bannit tout seul. Ce qui fait que les nouvelles personnes qui entrent dans le jeu sont tout à fait incitées à plutôt prendre un héros qui n'a pas beaucoup de points de Living Legend, et mécaniquement parlant, avec le support et les années qui passent, tous les héros finiront petit à petit par être joués et jouables et passer en Living Legend. Ça, c'est très malin, et Blood est très très malin sur ces, ces trucs-là. Alors que Yu-Gi-Oh!, c'est tout confondu. Yu-Gi-Oh! ta banliste, elle sert aussi à renouveler ton format. Et ça. C'est vrai que ça peut piquer quoi. Il y a des ban -lists qui sont vraiment chargés chez Yu-Gi-Oh! Quand il y a un ban chez Yu-Gi, c'est pas une carte. Hein. Ça va de 1 à 13 cartes quoi. <coughs> ouais, ouais, il y a des ban et des unbans. Bien sûr, bien sûr, Nox, exactement. En fait, c'est ça, c'est que la ban list, elle sert pas d'équilibrage, elle sert de renouvellement. Donc quand une carte a été bannie il y a 2-3 ans parce qu'elle était trop forte pour un format, on la débannie dans un format un peu plus loin pour que les gens qui l'avaient puissent la rejouer et parce que le format a un power level plus élevé que le format d'avant. C'est la bannice qui fait ton format. Et quand bien même il y a du power creep, on a des métas qui sont beaucoup moins puissantes que il euh, y a 2-3 ans, tu vois. C'est pas forcément de plus en plus fort, comme c'est le cas par exemple du moderne qui est un format non rotatif à Magic. Globalement, le moderne ne fait qu'être de plus en plus fort, tu vois. Bah Yu-Gi-Oh! non, c'est vraiment la banlist qui doit tout équilibrer, te proposer une méta diversifiée et compagnie, quoi. C'est ça que j'appelle un roulement rotation de ban. Et eh ben exactement euh, Noxlopin crâne Et du coup c'est vachement difficile quand t'es joueur de Yu-Gi-Oh et c'est vachement difficile pour Konami de, de faire ce travail là. Et je trouve que c'est, je préfère quand t'as un jeu qui a une baniste d'assainissement et un, une méthode de rotation qu'elle soit artificielle ou naturelle euh, pour renouveler ton format. Flesh and Blood pour moi a la meilleure idée de tous les temps quoi. Le côté euh, dès que tu gagnes avec un deck il, il a un certain nombre de points à 1000 points, ton deck devient Living Legend. Enfin, même naturellement, quand les gens rentrent dans le jeu, ils regardent quel est le deck qui a le plus de points Living Legend. Ils, ils partent pas sur ce deck-là. Donc du coup, le deck tiers 1 du format qui est le plus dominant, les nouveaux joueurs n'ont pas nécessairement envie, euh, histoire de pérenniser entre guillemets l'investissement financier qu'ils ont mis dans le jeu, plutôt que d'aller direct sur un deck banni. Et ils ont envie naturellement de partir sur un deck qui est quand même fort, mais qui n'a pas autant de points Living Legend que le premier deck. Quoi. Et ça, ça fait que mécaniquement, tous les decks au bout d'un moment vont être joués et montent. Quoi. Et ça te permet surtout de garder ton deck assez longtemps. Enfin bref, ça c'est une rotation naturelle qui est de l'ordre du génie, quoi. Mais ouais, ça c'est un des défauts du de Yu-Gi-Oh, quoi. Que ta banlist ait un double emploi, c'est très compliqué, quoi. Vraiment bien foutu ce système de, de Living Legend. Bah ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, folle Ah, c'est... Pour moi, Flesh and Blood, c'est le système. Si on enlève juste les mécaniques de jeu ou quoi, tu prends tout ce qu'il y a l'en dehors du jeu, c'est le TCG qui est le plus, le plus sain et le mieux pensé que je connaisse. C'est pas pour rien qu'il est en train de marcher. Après, si on parle juste de mécanique pure et de gameplay, Magic, pour moi, reste indétrônable. Mais si tu regardes tout l'envers du décor, tout ce qui sort de la mécanique du deck, du deck building et du gameplay, en termes de communication et de, de logistique, Flesh and Blood, c'est... C'est quand, quand même très malin, quoi. T'as quel pourcentage sur Hogwarts le Legacy euh, Je dois être à 40 ou 50%. Ouais, c'est ça, il a appris des erreurs des, des autres TCG, bien sûr mais il a surtout trouvé la, la bonne formule c'est pas évident quoi, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont appris des erreurs, De tu prends un jeu comme Dragon Ball Super Card Game de Bandai c'est un jeu qui a pris euh, tous les points forts de tous les TCG tu vois, il a le système de récompense de Pokémon il a la pile de Magic, il a le système de mana de WoTCG, euh, il a le côté engine Ange et famille de Yu-Gi-Oh euh, consistance et régularité de play d'un de, bah, Yu-Gi-Oh aussi parce que c'est des jeux japonais, enfin vraiment moi la première fois que j'ai joué à Dragon Ball Super Card Game, j'ai dit putain c'est marrant ça ressemble à tous les jeux que je connais et ils ont pris tous les points forts de tous les jeux tu vois mais du coup, ça, c'est pas aussi malin et subtil que Flesh and Blood, qui a proposé son propre truc, avec une logistique bien personnelle et bien pensée, qui comble vraiment euh, une des principales failles des DCG. Là, des BSCG, c'est beaucoup plus... Euh, du, euh, du copie un peu... Ça marche bien, du coup, c'est très plaisant, mais c'est pas très... c'est pas très inventif, quoi. C'est juste qu'on a pris le meilleur pour en faire un melting pot. Je vais m'y mettre avec tes conneries. Faites ce que vous voulez hein. Non mais avoir un œil curieux c'est toujours sympa, tu vois. C'est d'ailleurs, je vous montre parce que je vous en ai parlé hier. Elle est des ouf. Je l'ai reçu, ça y est. Moi qui pimpe pas, je me suis laissé avoir. Hop là. La petite euh, shouldred euh, concept art Direction, c'est vraiment mon... C'est vraiment mes... Euh... Mon design préféré des Prétors, là, qui est sorti dans Phyrexia, dans Will Be One. J'avais besoin de Sholdred pour le Pionnier, pour mon deck Ragdos, et bon, bah j'ai Kekra, quoi. J'ai Kekra, j'ai pris une, une version concept art foil. Mais je ne l'ai pas pris avec le, le Stamp Phyrexia, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le Stamp Phyrexian, donc, euh, donc je l'ai prise comme ça, quoi. Et Disney c'est copier MTG où ils font des règles bizarres, bah ça on peut pas le savoir parce que les règles seront Les règles seront dévoilées en avril chez Oldred. Après, à la lecture des cartes, t'as l'impression quand même qu'il y a des effets, des statistiques et des coûts en mana. Je suis pas certain que Disney est particulièrement innové. Je les vois bien être partis sur une formule Bandai, c'est-à-dire des mécaniques de base de Magic en empruntant un peu de tout ce qui fait, euh, euh, de tout ce qui sont les bonnes idées des autres TCG. Je vois vraiment un jeu à la One Piece, à la Dragon Ball Super Card Game, donc du coup un, un peu un Magic-like mais euh, édulcoré, moins frustrant, où t'as pas de problème de mana. Je, si je devais parier, je parie sur ça. À la lecture des cartes sans connaître les mécaniques, pardon. Typiquement à Dragon Ball Super Card Game, t'as pas de mana à n'importe quelle carte dans ta main, euh, peut-être jouée en tant que terrain, voilà. ce qui fait que tu ne fais jamais de death. Merci Coraval, merci pour le sub. Des BCG t'es un peu dur, je trouve, ça innove pas mal. Je dis pas que c'est pas bien, Fizuné. Je dis que c'est pas innovant, ça a pris littéralement toutes les mécaniques des, des meilleurs TCG. Mana avec tes cartes Mais mana avec tes cartes, c'est pas innovant, Fitzune. C'est WotCG, donc l'ancêtre de Hearthstone, qui avait inventé cette mécanique-là leader, c'est ce que fait le duel commandeur à Magic. il enfin, y a rien d'innovant dans Dragon Ball Super Card Game, mais ça n'empêche pas que c'est exceptionnel parce que justement quand tu prends le meilleur de tous les TCG, bah ça fait un melting pot qui est extrêmement agréable, mais ça n'a rien d'innovant Ce qui est innovant dans Dragon Ball Super Card Game, je trouve, c'est le flavor, c'est la sensation que tu as quand tu joues. Le fait que plus tu te fais taper, plus tu es fort, c'est très Saiyan, esprit Shonen et tu as vraiment la sensation de jouer sans Goku quand tu joues à Dragon Ball Super Card Game. Mais il n'y a rien d'innovant quoi. C'est un bon mix quoi, mais c'est pas pas innovant. Là où Flesh and Blood, c'est innovant. C'est pas un mix de tous les autres TCG. Ah, mais restez sur Magic, de toute façon, attention. Bah, en même temps, euh, moi, quand je vous dis de vous intéresser aux autres TCG, euh, quelque part, ça prêche pas forcément pour ma paroisse, parce que moi, je suis créateur de contenu Magic. Euh, et effectivement, plus, on, plus, plus de gens jouent à Magic, et, et plus je suis content de créer du contenu sur ce jeu, évidemment. Donc, je vous incite pas à partir de Magic. Euh, moi, je jouerai toujours à Magic toute ma vie. Mais, euh, mais je trouve que c'est important d'avoir au moins un regard un peu extérieur. Ça te permet de relativiser pas mal sur ton propre jeu, je trouve. Et des fois de te, te rendre compte que bon. Wizard il mérite tout ce qui leur arrive, les shitstorms et compagnie. Mais quand même, on a un bon jeu quoi. Si on regarde que mécaniquement parlant, en termes de game design, quand même on a, on a, on a, on a le. On a le phaser. tu vois ce que je veux dire On a le père de tous les TCG. moi je, je peux trop joindre Fizune sur le côté poker avec les avec les combos de la main mais encore heureux que que des a des mécaniques qui lui sont propres mais je suis pas en train de ne pas le défendre J'y ai joué pendant euh, pendant 5 ans ça a été euh, j'ai fait les France euh, j'ai fait top 8 de beaucoup de régionaux enfin genre je me suis vraiment investi compétitivement plus même que sur Magic dans Dragon Ball Super j'ai adoré ce jeu là si c'était pas une licence Bandai qui avait malheureusement, à mon sens, pas volonté à, à pérenniser, je, je joue encore à Dragon Ball Super Card Game, je suis tout à fait d'accord, Fidzouni, avec toi. Juste, quand même, tu, tu, sens, tu sens les inspirations, euh, c'est très net chez Dragon Ball Super Card Game, là où tu les sens beaucoup moins euh, sur des jeux comme Flesh and Blood ou, ou Yu-Gi-Oh!, je trouve. Flesh and Blood, l'inspiration pure et dure, tu la sens dans l'organized play et tu la sens dans le, dans le, dans le, dans le lore, pour le coup. Perso, je me pencherai sur leur canal pour mes enfants car je supporte pas Pokémon mais MTG 100%. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir jouer en famille euh, à canal ouais, carrément. Normalement, on se rejoint, Fitzoune. C'est juste que c'est pas facile pour toi par écrit et pour moi euh, verbalement, du coup, d'arriver à un consensus. Enfin, On est sur une discussion un peu asymétrique où malheureusement, t'as pas le as pas la, la chance de, de pouvoir t'exprimer facilement, donc. Euh. Bah ouais, quand il s'agit juste purement de cartes, ils sont trop forts au OTC. Mais dans ce cas-là, c'est ça, Wizard. Faites-nous des cartes, en fait. On s'en fout de tout le reste, quoi. Faites-nous des cartes au bon prix, pas trop de produits et tout ira bien, quoi. Un avis sur le pricing de LOTR. Je crois que tu parles plutôt du pricing de Commander Legend, je pense. Euh, Commander Master, euh, The Too Much One. Parce que le pricing de LOTR, à moins que je me trompe, on le connaît pas encore. Je sais pas si les distributeurs ont déjà eu les prix catalogue, je sais pas. Mais si tu veux parler du pricing Commander Master, euh, je, je. En fait, ce qui m'énerve, c'est pas tant le prix, c'est que Wizard accepte de sortir les prix sans se justifier ou chercher à faire comprendre pourquoi ces, ces prix sont aussi élevés. C'est-à-dire que moi, je trouve que le prix est trop élevé, admettons. Mais si demain, on nous dit que dans un booster, il y a euh, 4 rares et 2 mythiques. Bon, bon, au final, le prix sera pas tant élevé que ça. Donc, en fait, tant qu'on ne connaît pas la composition d'une boîte et d'un booster, ou qu'on ne connaît pas les rééditions et l'expected value de la boîte, bah le prix, ça n'a pas trop de sens de le commenter. Par contre, ce qui m'emmerde énormément, c'est que encore une fois, Wizard of the Coast, ça les dérange pas d'avoir un bad buzz. Ils savent très bien. Ce qui va se passer, ce que les gens vont dire quand ils vont voir qu'un booster Commander Master coûte 22 euros et le fait que ça les dérange pas de se manger un Shitstorm, quand bien même peut-être après ils arriveront à justifier ce prix-là, ce qui à mon avis n'arrivera pas, ça reste beaucoup trop cher. Eh bien, ça ne les dérange pas de se prendre cette Shitstorm là. Et c'est ça, moi, qui me rend le plus fou. C'est pas tellement le prix, je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, même si ça me paraît élevé. C'est que WotC accepte cette Shitstorm et qu'ils en aient rien à foutre. Ça ça me rend fou. Si tu sors le prix de ta boîte et que tu sais que ce prix va déranger, va faire parler, justifie-toi, explique-nous pourquoi, dis-nous ce qu'il y a dans ces boîtes-là. Ça m'énerve. Pardonnez-moi, ça m'énerve. Alors, vas-y, je vais voir le prix de Lord of the Ring Middle-earth. commander maintenant ok une boîte de booster d'extension ah mais c'est sur ouais, les prix amazon ok d'accord je vais regarder du coup ouais d'ailleurs hier j'étais malade je suis en pleine forme ce matin voilà bundle à 56 euros boîte d'extension à 205 ouais c'est des prix modern horizon non euh, bah les prix de lotr sont normaux c'est les prix de commander master qui posent problème Enfin ils sont normaux. Après on peut tous estimer que quand tu vois que Naruto Caillou fait des displays à euros, il y a un problème avec Magic, mais ça c'est un autre débat. Mais je veux dire, au, au regard du référentiel qu'on a déjà sur Magic, euh, LOTR, c'est pas plus cher que autre chose, quoi. C'est Commander Master le problème. Tu as le bonjour de mon amphi de fac, Val. De ton amphi de fac Comment ça, tout ton amphi, nous regarde Vous êtes combien dans cet amphi, salut Cardès Je pense que tu surestimes leur capacité d'anticipation. Mais c'est ça qui m'emmerde, Nox, en fait. Qu'ils aient pas. Euh, Qu'ils se soient pas staffés pour avoir cette capacité d'anticipation. Dans tous les cas, ils sont responsables quoi qu'il advienne. C'est une sursociété extrêmement puissante qui fait la. la richesse qui est le floron d'Asbro, bah, entoure-toi, voilà. Si tu n'es pas capable d'anticiper, c'est ton problème, tu vois. Flesh and blood sont capables d'anticiper, donc. Euh... Ouais, je me doute, Olerias. Tu as chopé où les stands pour mettre les cartes booster en évidence dans ta calaxe euh, Les, euh, les magnétiques card case viennent de chez Ultimate Guard. Et les, les petits trépieds, euh, tu peux les trouver sur Amazon. Tu tapes euh, trépied en plastique pour, pour cartes. On ne sait jamais si c'est calculé ou incompétence. Et moi, je crois que c'est du cal compétence euh, à ce niveau-là pour Wizard. C'est genre, euh, on peut pas anticiper, mais dans tous les cas, on s'en fout. Euh, ça nous fera du buzz, qu'importe qu'il soit bon ou mauvais. Je supporte pas ça. Bah, pour moi, en fait, bad buzz is buzz, c'est nul, en fait, je trouve, comme, euh, comme façon de faire et de penser. Et je trouve ça très, très con qu'il y ait des gens qui adhèrent à ça, tu vois. Tu vois, qu'il y, qu y ait des gens qui aient ce parti pris d'aller s'abonner à un créateur de contenu parce qu'il est dans une sauce et qu'il a un bad buzz, je trouve ça dingue. Si tant est que le bad buzz soit justifié, hein. pardonnez-moi, mais évidemment, il y aura des cartes originales pour Nebrilia. Euh, pour répondre à Nebrilia, pardon, sur LOTR, euh, ça sera pas valable en standard, ça sera valable en moderne. En fait, il faut que tu imagines que LOTR c'est Moderne Horizon 3. Voilà, comme ça au moins tu sais. Donc, ça sera des cartes impactantes en moderne et qui seront jouables, donc du coup à partir du moderne et ensuite en commandeur et en legacy ils sont pas fiers Tu penses qu'ils sont pas fiers pour 30th Oui ils les ont pas vendus donc ils sont pas fiers mais, euh, mais dans ce cas là s'ils n'ont pas anticipé c'est de leur faute quoi c'est tant pis pour eux non, ce sera pas euh, Playable en pionnière. C'est Modern Horizon. Genre, vous voyez comment c'est Modern Horizon Bah ben, c'est Modern Horizon. Voilà, dites-vous que ça s'appelle Modern Horizon 3. Modern Horizon 3, le Seigneur des Anneaux. C'est juste que c'est pas brandé comme ça. mais ben, je pense qu'ils vont rééditer les fetches, Posito. Tu dis ça comme si c'était... Euh... Euh, très peu probable, mais c'est sûr qu'il y aura les Fetch Kens of c'est attendu. On les attend, on pensait les avoir dans. Euh... Comment ça s'appelait Double Master, je crois On pensait les avoir dans Double Master, ils n'y étaient pas. On a très vite compris que c'était pour Modern Horizon 3 en fait. Puisque dans Modern Horizon 2, on a eu les fetchs euh, euh, de, euh, de Zandicar en All Frame. Je t'annonce euh, maintenant, là, je mets, je mets mon ongle à couper parce que j'ai pas envie de souffrir quand même. Euh, que tu auras les Fetch Kens of Tarkier en All Frame dans, dans Le Seigneur des Anneaux, ouais. J'en ai euh, quasiment aucun doute. Je peux comprendre le lancelot. Après Magic, ça reste les boss. Hein. Je veux dire, euh, si tu t'attaches seulement au gameplay, au game design euh, et aux cartes... Tu peux pas partir de Magic décemment, tu vois. Tu prends trop de plaisir. Le fait que Magic te propose à la fois de jouer avec tes quatre potes autour d'une bonne bière en commandeur multi et de passer vraiment une soirée rafraîchissante à jouer aux elfes, comme dirait la maman, euh, ou alors te permettre d'aller en GP jouer en moderne dans un format non rotatif avec des mécaniques tellement innovantes et intéressantes, une profondeur de deck building sans fin. Enfin oui, tu peux aller chez la concu pour plein de mauvaises raisons, mais mais si on s'attache spécifiquement au plaisir de jeu, Magic, ça reste au-dessus de tout, quoi. Je pense qu'ils vont faire du all-frame dans L.O.T.R. Ah, J'ai je... pas designé le set, mais... mais quand même. Il y a quand même des choses qui sont très attendues et pas dures à deviner, non Un fetch illustration L.O.T.R., c'est très pime, tout le monde les voudra. Ouais, je pense. Je pense clairement. Moi, je les voudrais, en tout cas. C'est mal joué, c'est vraiment pas le format d'entrée. Non, mais en fait, il faut le voir comme le Modern Horizon 3, c'est ce que je dis, donc du coup, c'est ton moyen de renouveler le moderne quoi. Non, alors même si j'ai regardé les leaks, on ne les commente pas, Tartalab ici. C'est-à-dire que les leaks, malheureusement, c'est voler la primeur d'un créateur de contenu et donc d'un collègue. Il faut savoir que normalement, toutes les cartes, tous les reveals des cartes sont donnés à certains médias et à certains créateurs de contenu. Et en fait, quand il y a des leaks, et ben, du coup, la primeur du créateur de contenu, donc du coup du collègue, et ben elle tombe à l'eau. Donc voilà, tu, tu niques un peu le travail de quelqu'un. Donc évidemment que les leaks, on les voit et on en parle avec, avec PL, hein, mais on les commentera jamais. Voilà. Par, euh, par pure euh, franche camaraderie. Et j'apprécierais que tu les commandes pas sur le chat, s'il te plaît. T'arrives pas à comprendre ce que tu vois C'est euh, Donkey Kong Country de Super Nintendo. Ouais, mais peut-être pas, ça Peut-être que je me fourvoie totalement. Mais comme le set est annoncé comme Modern Horizon 3, je. Je m'attends entre guillemets à du Modern Horizon 2 dans l'univers de, de LOTR, mais écoute, si je suis surpris, pourquoi pas. J'espère une nouvelle frame aussi. Ok. Oh j'aimerais bien moi du all frame en vrai, mais je suis un peu un boomer moi sur ça. Hein. Je suis un peu un, un petit boomer ouais. Gollum le nouveau Ragaman franchement ça marcherait trop bien je trouve ça marcherait vraiment trop bien Oh j'y pense putain j'ai tourné la tête à droite j'ai vu mes, mes cadres je vous avais montré là la petite commande que j'ai fait au Poto Posca, photographiste euh, sur Posca Brico, l'atelier de Posca si jamais vous voulez des prints un peu sympas euh, personnels pas très très chers, je les ai mis sous cadre ça y est le Eddy Giraya, qui est quand même vachement cool je trouve bah, malheureusement il y a le reflet mais sous cadre ça rend, ça rend vachement bien quoi vous pouvez voir mes, mes displays tout au-dessus du bureau. Euh, je vous le montre du coup maintenant mis sous cadre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça coûte pas très cher si jamais vous voulez aller soutenir un poteau, n'hésitez pas. Il fait tout lui-même, euh, c'est euh, son travail et c'est grave cool. Et je me suis pris aussi le, le Liga Hara. meilleur combat de Naruto, bien évidemment. Franchement, ça rend bien. Très très cool. Ouais, si jamais vous voulez décorer une pièce ou quoi, c'est euros le print. Voilà. Il faut savoir que la qualité du papier est quand même de très bonne qualité, l'envoi est très bien protégé, très soigné, et, euh, et tous les concepts sont, sont faits main, enfin, c'est son travail. Quoi. Donc, si vous voulez aller soutenir un, un, petit, euh, créateur, euh, un petit créateur français qui fait du bon boulot, c'est un, un super cadeau à offrir si vous avez un anniversaire ou quoi, c'est 15 balles le print, ça régale quoi. Post-cabricot sur Google. C'est le poteau. Hey, au théâtre, j'aime pas l'univers, je suis tellement plus hype pour March of Machine. Ah ouais? Ok. Merci Canfous, pardon, je sais pas si je te remercie pour le sub. Les futures Frame, future sight. Ah, ouais, je crois que t'es le seul le je, je crois que vous êtes... 4 ou 5 en France, à peu près. Non, Posca comme ça, pardon. Ah, je lui fais de la pub, mais super mal, quoi. Quel, euh, quelle horreur. Posca comme ça, et du coup, c'est Posca Brico, je crois. Ah, vous savez quoi, je vais vous linker le site. Il le mérite. C'est de la. C'est du détournement de pop culture, de pop culture euh, japonaise, quoi. Et euh, il fait ça plutôt bien. Euh. Comment je trouve son site Forcément, c'est ah voilà. C'est bon, je vous l'ai trouvé. Tenez. Alors c'est par drop. Hein. Euh, petit à petit, il renouvelle sa collection, évidemment. Mais euh, mais voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir chez le poteau. Je pas euh, c'est pas un hashtag, je ne suis pas payé pour hein. c'est mon pote. C'est mon pote et je trouve que ce qu'il fait c'est cool. <laughs> si tu pouvais choisir une paire de sneakers qu'on t'offre chez Nike, tu choisirais quoi hmm, C'est une bonne question. J'ai un peu réfléchi récemment, ça fait un bail que j'ai pas acheté de, 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 de paire de sneakers. Euh, je pense que je choisirais un truc que je peux pas me payer un truc assez cher je crois que je prendrai une Air Jordan 3 à ma manière euh, Soros euh, qui est un modèle féminin mais du coup je le prendrai dans ma taille en 10 US euh, pour avoir un 8,5 euh, masculin donc ouais une Air Jordan 3 à ma manière je, je pense c'est un peu le, la paire qui me matrixe un peu en ce moment et, et qui est trop chère pour que pour que je le, pour que je me, me permette ça quoi Si je veux montrer les anciens chevaliers du zodiac en série à mon fils, je peux aller où Sur ADN, euh, Jerem Nerd. Sur ADN, ils y sont tous. ADN ou Crunchyroll Vérifie. ADN, je crois. Sur ADN. Que broutes-tu aujourd'hui, Val Tu vas voir, viens-moi. Ok, original, stylé. Tu choisirais quoi, toi, ce J'adore Magic, mais si tu sors trop des cartes, c'est juste fatigant à suivre. De ne pas pouvoir se poser 5 minutes chaque nouvelle carte pour provoquer un changement, c'est non. C'est un peu le, le ras -le bol qu'on a tous, Eric. On a une relation un peu toxique et schizophrénique avec Magic en ce moment. Quoi. Moi, je les, je, les, je les aime, je les je les idolate tout comme je les déteste euh, un peu euh, tous les jours quoi, tu vois, euh, mon cerveau vrille avec WTC euh, nous en plus en tant que créateurs de contenu on dit ce qu'on pense que ça soit bien ou pas bien et donc du coup un jour vous nous entendez euh, dire des choses euh, négatives sur WTC et le lendemain euh, vous nous entendez en dire du bien, quoi après bah, c'est normal ça veut dire que justement on, on essaye d'être le plus objectif possible et, et surtout ne pas avoir une parole entravée quoi c'est pas parce qu'on casse des protours qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense et c'est vrai quoi des fois je suis un peu saoulé du bashing un peu euh, parfois euh, inutile de Wizard of the Coast euh, je trouve que par contre quand ils font des choses bien les gens le disent pas assez mais en même temps la plupart du temps ils méritent leur bashing tu vois donc euh Jordan 1 Retro of White joli aussi mais j'ai pas de j'ai pas un affect particulièrement ouf avec euh, avec off white même si c'est vrai que le, si le travail de Vir, virgila blopé à son âme euh, était quand même assez euh, assez novateur et intéressant j'avoue que si je devais choisir une off white ça pourrait être ça pourrait être celle là ouais je suis d'accord avec toi puis ça coûte beaucoup plus cher je pense que du coup je prendrai une jordan 1 Retro off white je la revendrai et, <laughs> et j'achèterai une jordan 3 à ma manière je pense Bon, est-ce qu'on part pas sur, euh, sur Magic On a encore des choses dont on voudrait discuter Moi, ça me va. Je, vous savez que le Just Chatting, je suis chaud. Après, je sais qu'il y a des gens qui viennent pour Magic. Des fois, quand c'est trop long, euh, des fois, il y a un message. Des fois, il y a Coria Twitch, il arrive, il fait bon, on joue ou pas Donc, Quand il n'y a pas Coria Twitch, j'ai un peu de délai. Je, je peux parler un peu plus. Mais, euh, mais moi, ça me va de, de papoter. Ouais, vous voulez jouer, quoi. J'aime beaucoup la discussion plus magique en vrai. Ouais, c'est un... J'ai mis du temps à trouver l'équilibre parfait. Enfin, l'équilibre parfait. Pour moi, hein. je dis pas que c'est le meilleur équilibre de tous les temps. Pour moi, c'est mon équilibre parfait. Parce que c'est vrai que quand je fais pas ce truc de discussion avant de jouer, j'ai tendance à trop discuter pendant les phases de gameplay. Alors que là au moins maintenant c'est bien que bien cuté quoi. Ah Pile au moment où on va jouer, les gens me relancent sur un sujet dont j'avais envie de vous parler. C'est la faute à Dwarf hein. Qu'est-ce qu'on fait On repart en discussion ou on va jouer Salut WD Guillaume. Aïe 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 aïe... Aïe 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 aïe... Bon, rapidement Le dilemme de fou... Ah ouais, c'est dur C'est dur, c'est dur... Soyons civilisés, discutons quand tu tapes le mic, ça fait un bout de friction. Je suis désolé, sourde. Les deux au pire. Ouais, bon allez, vas-y, vas-y. On, va on va faire un peu les deux. Non mais rapidement. Oui, j'ai ouvert ma display que Pelle m'a offert de Naruto Kyu. Je vous le montre là. Hop là Tac. J'ai malheureusement pas eu grand chose. Euh, donc ça c'est une display de la sixième extension. Euh, tiers 2. Donc dans les tiers 2, vous pouvez avoir les NR. C'est les cartes qui sont... Euh, multicolore un peu violet avec plein d'effets de brillance incroyable c'est les giga -secrets des euh, boîtes tiers 2 et euh, moi j'ai pas eu grand chose, hein. j'ai pas eu d'OR, j'ai pas eu de MR, j'ai pas eu de NR hein. le, le taux de drop d'une NR c'est une toutes les 24 boîtes donc laissez moi vous dire que c'est quand même très compliqué sur les petites que j'ai eu mais vraiment du petit j'ai pas eu d'OR pas de MR, MR ça doit être une tous les trois boîtes euh, une OR normalement c'est quasiment une toutes les boîtes moi j'en ai pas eu donc vraiment très très mauvaise boîte en soi mais, euh, mais j'ai eu des, des, des jolies petites cartes comme ça par exemple voilà qui est, qui est vraiment très très joli. Et, euh, et ouais, bah PL il, euh, il m'a foutu dedans quoi. Bon, en même temps, tu me dis Val, il y a un jeu de cartes sur ton univers préféré, tout mon gars confondu. Euh, Est-ce que ça t'intéresse Avec des cartes qui sont magnifiques, plein de textures, le jeu est pas cher. Bah ben oui, moi j'ai comme ça là. J'étais sur le plongeoir, j'ai fait vas-y. J'ai plongé. J'ai plongé. Ah, j'ai tellement plongé, j'avais du Pokémon à revendre. J'ai tout revendu Pour pouvoir m'acheter du caillou Ça m'évite de sortir des sous de ma poche Parce que bon euh, Je commençais à avoir tellement accumulé de trucs et tout Que c'est bien de faire partir pour rentrer des nouvelles choses Et en plus euh, Ça m'évite de Je peux pas non plus euh, assumer toutes les dépenses que je veux Donc généralement je, Quand je veux euh, m'acheter un nouveau truc je, je, revends, je revends des trucs Et j'essaye d'avoir une rotation C'est plus sain comme ça quoi T'as racheté combien de displays J'en ai racheté quelques-unes Trollski J'en ai racheté quelques-unes après 15€ la display euh, si je te dis que j'en ai racheté 5 en vrai c'est pas si impressionnant que ça tu vois. Excuse j'ai pas suivi ton best c'est quoi J'ai eu aucun best -it. je n'ai pas eu de OR, pas de MR, alors surtout pas de NR, ça c'est normal. Euh, j'ai eu euh, des UR, voilà. Bon... J'ai même pas eu de SP pour te dire. Genre j'ai ouvert la pire boîte que tu puisses ouvrir dans une série 6 tiers 2. Mais bon, l'important, le cadeau de PL. Avec cette boîte, c'est surtout de m'avoir mis le pied à l'étrier. Pas de OR, Lancelot. Te rends-tu compte Pas de SP, pas de OR, pas de MR. La boîte éclata que the le sol, quoi. Dans le permafrost de la Terre, les entrailles de la Terre. Ben, je te dis que c'est, te dis que c'est possible. Je l'ai ouvert avec PL euh, euh, à la pause entre midi et deux. Donc euh, voilà. Par contre, bon, j'ai enfin compris comment fonctionnait ce TCG. Parce que même PL n'avait pas tout à fait compris, vous savez, sur les différents types de raretés. Quand ils nous présentait les différents types de raretés, euh, en gros, euh, on disait que tu ne pouvais pas choper telle carte dans telle boîte et tout. En gros, pour vous expliquer comment ça fonctionne Naruto Caillou, il y a des extensions. Et dans chaque extension, il y a des tiers. Ça va de tiers 1 à tiers 4. Dans chaque extension, si tu prends une boîte tiers 1... Tu ne peux pas dropper les mêmes secrets que dans une boîte tiers 4. Dans une boîte tiers 4, les boosters coûtent plus cher, donc il y en a moins dans la boîte. Que dans une boîte tiers 1 où les, les boosters à l'unité coûtent beaucoup moins cher, mais il y en a beaucoup plus dans la boîte. Mais dans une boîte tiers 4, tu vas dropper plus facilement des raretés moyennes que dans une boîte tiers 1. Par contre, ce qui change vraiment pour les collectionneurs, c'est les raretés que tu peux choper dans chaque tiers. Si tu veux choper des CR qui sont donc du coup les secrets les plus élevés des boîtes tiers 2, elles ne sont que dans les tiers 2. Si tu veux choper une NR, tu ne peux les choper que dans les boîtes tiers 3, et si tu veux choper une BP, tu ne peux les choper que dans les boîtes tiers 4. Donc ce qui compte, ce n'est pas les différentes extensions que tu choisis, c'est le tiers que tu choisis d'ouvrir interne à l'extension. Comme ça, au moins voilà, vous avez un petit peu compris comment ça fonctionnait, Naruto Caillou. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez acheter des trucs, faites bien attention à ce que vous achetez. Parce que les cartes que vous voulez ouvrir ne sont que dans certaines séries. Moi, typiquement, mes cartes préférées, c'est les NR. Vous pouvez regarder ce qu'est une NR de Naruto Caillou. C'est à se taper le cul par terre tellement c'est beau. Tu ne les as que dans les boîtes tier 3, ce qu'on appelle les boîtes 5 Yuan. C'est pas du tout con comme système. Euh, Trollski. Mais euh, il mais, mais faut le comprendre au début. Il faut le comprendre. Il y a des tableaux récapitulatifs qui te montrent par série quels sont les drops en fonction des tiers que tu choisis. Donc, vous avez compris, à chaque set, il y a quatre types de displays différents. Et il faut que tu choisisses le bon display pour euh, choisir globalement les hits que tu veux. Après, par contre, il y a des raretés moyennes, que sont les OR, les MR, les SP et les, euh, euh, et les AR que vous pouvez avoir dans n'importe quel type de display et dans n'importe quel set. C'est juste que bah moi, dans ma display, j'ai pas eu de MR, de OR ou de SP, qui, elles, sont les raretés moyennes, et entre guillemets, c'est les plus hautes raretés que tu peux avoir sur toutes les displays. Les NR, c'est un pop art. Ouais, c'est ça, Master Affinity, ouais. Les CR, c'est. Euh c'est plein de textures, c'est magnifique, mais c'est des personnages qui sont mis en scène dans un habitat. Ça ressemble un peu aux, aux alternatives secrètes de Pokémon, et, euh, les, euh, mais avec encore plus de travail de texture, de, de qualité de carte. Et les BP, moi j'aime moins, c'est euh, le meilleur hit secret du, de la tier 4, donc de la box la plus chère. Moi j'aime moins, t'as beaucoup d'effets derrière, mais euh, le personnage est en mode euh, central, avec beaucoup d'effets derrière, et une espèce de portrait de lui euh, euh, en doré. Euh, je trouve ça moins beau que les NR et les CR. Pas de OR, j'en reviens pas. En slow, je te le dis. Mais c'est surtout pas de SP non plus. Pas de MR, pas de SP, rien du tout, quoi. Et, euh, et ouais, ouais, bon, bah, j'ai perdu, quoi. J ai, j ai, oui, oui c'est pour moi, Naruto Caillou évidemment. Évidemment, quoi. TGR, Transparent Glow, euh, qu'on a vu dans le Kiffé fait, tu sais quel tiercé euh, de mémoire, non, mais je te dis, tu as des tableaux qui récapitulent tous les tiers et tous, euh, tous les drops de n'importe quelle carte. Tu as carrément un site que Lancelot va vous dropper maintenant parce que tu as un boss Lancelot qui répertorie toutes les cartes et qui te dit dans quel tiers et quelle extension tu peux, les, euh, tu peux les choper. Alors, les tiers, c'est euh, les euh, 5 UAN et compagnie, donc ça va de tiers 1 à tiers 4, donc c'est le prix des boosters. Et les extensions, c'est pas extension ou 7, c'est wave. Donc, en gros, Tier 4, Wave 5, c'est les displays Tier 4 de la cinquième extension. Parce que quand tu vas cliquer sur le site que Lancelot va vous, euh, va vous donner, quand tu regardes la liste des cartes, ça va te dire que cette carte-là, elle est droppable dans la T4W5 ou dans la T3W5 ou dans la T2W6. Et comme ça, tu sauras quelle est la boîte qu'il faut acheter si tu espères, attention, que ce soit les NR, les BP ou les, ou les CR, qui sont du coup les cartes les plus recherchées, c'est un hit toutes les 20 ou 30 boîtes. Hein. Euh, faut se lever très tôt pour les ouvrir, ces cartes-là. Si c'est vraiment ça que vous cherchez spécifiquement, vous avez meilleur temps d'acheter à l'unité. Mais si vous aimez ouvrir, et dans tous les cas, les raretés moyennes, que sont les MR, les OR, les UR, euh, vous intéressent quand même parce que c'est vrai que ça brille, c'est joli, c'est quand même de bonne qualité. Dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir du booster et c'est cool. Quoi. T1, c'est mieux que T4 ou l'inverse Non, l'inverse. T4, c'est mieux que T1. Mais euh, tu vois, en même temps. Euh, T4, c'est mieux que T3 et T2, mais si tu cherches spécifiquement DNR, il bah, faut ouvrir de la T3. Si tu cherches spécifiquement de la, de la CR, il faut ouvrir de la T2. Donc T4, c'est mieux parce que sur les raretés moyennes, en moyenne, tu en drop plus. Mais pour les hautes raretés, tu es toujours incité à acheter de la T4, de la T3 et de la T2 parce que tu ne drops pas les mêmes hautes raretés. Vous avez compris le, le délire Merci Lancelot, tu es un boss. Et là, ça vous permet de voir tous les hits. Et évidemment, le hit suprême que là, tu ne es peux avoir que dans la T4 à l'instar d'une BP, c'est ce qu'on appelle les SE. Mais là, les SE, euh, laissez-moi vous dire que c'est illusoire d'espérer en tirer une, parce que c'est des drops qui sont limités à entre 200 et 700 exemplaires par tirage. Il y a de multiples tirages, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas que 700 exemplaires de cette carte dans le monde, mais par vague de tirage, il n'y en a que 700. Sur un public aussi large que la Chine et l'Europe, laissez-moi vous dire que si vous dropez une SE, vous avez le cul bordé de nouilles. Donc, ça, moi, je les prends même pas en compte. C'est des cartes que je chercherai pas à collectionner. Leur valeur est beaucoup trop immense. Tu pourrais faire gagner les Nike. Pardon Quel Nike, euh, Leroy Je ne peux pas gagner de Nike, moi. Ça coûte combien une display T1 13 euros, je pense, euh, folle. Et une display TR4, 30 euros. Et en moyenne, les prix des CR, NR et BP, je peux vous les donner de tête, les CR en moyenne, c'est une quarantaine d'euros, sauf personnages particuliers. Le public chinois, à l'instar du public japonais, valorise beaucoup les personnages féminins. Donc Tsunade et Inata, par exemple, coûtent un peu plus, un peu plus cher. Euh, les NR, on est plus sur 80-100 euros selon la NR. Euh, pour certains personnages très forts comme Tsunade Inata ou alors des Pain et des Madara tu montes même à 120-130€ l'ANR et si jamais tu veux de la BP on est sur à peu près 60-70€ la BP Pareil certains personnages étant plus forts que d'autres euh, pour le coup obligé d'importer les displays du coup je pense que tu es obligé de rien Je suis... j'ai pas trouvé de euh, de, euh, de trucs très intéressants hors euh, importation ouais, euh, Merci Valpic pour le prime. Ça fait un bon cadeau d'anniversaire pour la petite soeur. Bah complètement folle, si ta petite soeur elle adore Naruto, c'est exceptionnel. Parce que dans tous les cas, là moi je vous parle des autres raretés qui sont très rares à trouver, qui sont les plus belles cartes. Mais tu vois, euh, juste pour ouvrir et avoir de jolies cartes, honnêtement, euh, tu te fais plaisir à chaque display. Ouais, c'est cool, puis c'est pas cher. Alors, évidemment, il y a un problème d'éthique là-dedans. Hein. C'est vrai que les coûts de production en Chine sont, sont tels que, évidemment, c'est compliqué euh, d'être concurrentiel par rapport à Naruto Caillou. Hein. Quand vous voyez qu'ils arrivent à, à envoyer sans frais de port des displays à 18 euros, je vous laisse imaginer le coût de production. quoi. Et quand tu vois le traitement des cartes, c'est un traitement qui est. C'est chaud, quoi. Je pense que ça peut. Euh... Ça peut aussi ne pas rentrer entre guillemets dans votre éthique éthique personnelle, je peux le comprendre. Ça, euh, chacun voit midi à sa porte là-dessus. C'est plus cher que Magic du coup. Ah, bah les grosses raretés, euh, les SE, euh, t'as des SE qui coûtent 1000 euros pièce, mais en même temps, elles sont éditées à 700, entre 200 et 700 unités par tirage. Donc euh, la population mondiale de ces cartes-là est insignifiante, évidemment, ouais. Merci uh, Madcap pour le sub. Franchement, même les SSR, elles régalent. Tu peux être régalé vraiment par, euh, par tout type de rareté, ouais. Moi, personnellement, mon kiff, ce qui fait que Naruto Kayou m'a embarqué, c'est les CR et les NR. C'est les raretés que je trouve les plus belles. Donc si je drop des BP, bah, je les revendrai ou je les échangerai pour avoir des CR ou des NR. Et je sais que je ne dropperai jamais de SE, euh, à part peut-être euh, une fois sur un heureux hasard. Et dans ce cas-là, bah, je la revendrai pour pouvoir euh, continuer ma collection de CR et de NR, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on est bon sur Naruto Caillou Tout le monde est ok Tout le monde de... ah, Faites attention aussi, si vous faites importer du Naruto Caillou, euh, euh, sur AliExpress, ce ne sont pas des fake cards. Le studio Caillou a les droits officiels, je me suis bien renseigné maintenant, je le sais, a les, a les euh, droits officiels du studio Pierrot par la Chine pour euh, utiliser la licence Naruto, donc c'est de l'officiel. Pardonnez-moi. Mais par contre, les vendeurs AliExpress, n'achetez pas à n'importe quel vendeur. Renseignez-vous sur les vendeurs fiables. Regardez les avis et le pourcentage d'étoiles et le nombre de ventes. Parce que les cases de display sont triables. C'est-à-dire qu'une fois que la NR, la CR ou la BP a été ouverte dans une case, certains vendeurs vous revendent les autres displays. Donc, parfois à un tarif plus bas, mais c'est normal, il n'y a plus de hit dedans. Donc, faites attention à ça. Il faut bien acheter à des vendeurs qui sont certifiés, qui ne trient pas leurs boosters. Et je sais que d'office, Anime Card Store sur AliExpress ne trient pas ses cases. Voilà, la plupart des créateurs de contenu, des gens qui collectionnent du Naruto Caillou, achètent chez Anime Card Store sur AliExpress. Eux ne trient pas. Faites, faites attention à ça, n'achetez pas. Si vous voyez des prix complètement euh, aberrants à 10 euros la display et tout, sur AliExpress, faites attention, c'est peut-être des displays triés. Faites-y attention. Donc anime card store, normalement ils ont quasiment tous les produits et pour le coup euh, c'est assez safe. Les displays sont pas triés, il y a des gens qui ont hit des secrets dans leur, dans leur boîte. Vous pouvez y aller les, les yeux fermés si ça vous dérange pas encore une fois de commander en Chine sur AliExpress quoi. Et faites attention aussi à beaucoup de fakes. Voilà, vérifiez bien que... Euh, bon, c'est un 4 Store, il n'y a pas de problème, mais, mais vérifiez bien que les boîtes euh, sont bien estampillées cailloux, que c'est bien l'éditeur, que ce pas des fausses cartes, quoi. Ah bah désolé, Lancelot, on en discute. En même temps, c'est de votre faute, hein. C'est qui, là, qui m'ont... Euh, c'est qui qui m'ont foutu là-dedans en m'offrant une boîte C'est toi, EPL. C'est de ta faute. T'en prends qu'à toi-même, hein. Mais moi en vrai, j'ai plus très, tellement envie d'ouvrir des boosters. Quand je vois le taux de drop, c'est tellement dur d'avoir des secrets que si je veux vraiment me concentrer sur de la CR et de la NR, je pense que je vais essayer plutôt de les avoir à l'unité. Euh, petit à petit, tu vois, sans être pressé. Et, euh, et en vrai, juste ouvrir peut-être à chaque nouvelle wave une display de chaque. Tu vois, si tu prends une display à 15, une à 18, une à 20, une à 30. Bon, globalement, c'est le prix d'une display Magic à chaque wave. Tu ouvres juste pour tenter un peu ta chance et récupérer quelques communes, quelques SSR un peu jolis, mais je vais pas je vais pas ouvrir frénétiquement de la display quand bien même c'est pas cher parce qu'en vrai le taux de drop est genre c'est quand même pas intéressant. Même au prix de la display, c'est pas intéressant si tu chasses si tu chasses spécifiquement de la NR ou de la CR. Moi, je suis pas complétiste, ça m'intéresse pas forcément d'avoir toutes les rares, tu vois. Donc euh, je crois que je ne vais pas tellement racheter du scellé. Je vais plutôt essayer de trouver euh, de trouver des bonnes occasions sur de la, sur de la carte à l'unité. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, On a beaucoup parlé ce matin, je suis désolé, mais il y avait des choses à dire. Il y avait des choses à dire. Bon, ce que je voulais faire, je voulais essayer de transformer Monored en Gruul, mais garder quand même le, le, la potentielle vélocité euh, de Monored. Et je voulais voir si on pouvait essayer d'améliorer le deck. Pour le coup donc on va cloner Monoraid et on va importer les cartes grules qui nous paraissent être les plus intéressantes donc c'est comment elle s'appelle ex c'est pas expériment one la dryade Au oh, pif, Migloss. Tu penses que Migloss c'est bien Est-ce que c'est mieux que le contaminateur Merci pour toutes ces infos, mais avec grand plaisir, euh, Elita. Tu vois, ça, ça me fait pas rêver du tout. Mais j'ai vraiment envie de conserver le s'amuser avec le feu et la frappe foudroyante, par exemple. Non, mais on peut, on peut acter que Migloss c'est mieux que le contaminateur. Euh, y a pas de galère avec ça. Ça s'écrit pas comme ça, Migloss. Voilà. C'est quoi C'est la vive lance ici qu'on ne doit pas jouer du coup Ah ça marche, Lancelot. Merci, poteau, d'être passé. Et ouvre des, euh, des CR et des NR là pour me faire des trades quand tu viens en avril. On va trade comme à la cour de récré. Quel est le drop 1 on doit, dont on doit se séparer non, 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 je veux rester le plus agressif possible, Trotsky. Faut le pack leader en T1. Tu crois Tu crois qu'il faut le pack leader en T1 Plus que le poussin Que le Petit pew Je crois pas. Hein. Je crois pas que le pitty il soit moins bien que le pack leader. Le pack leader il marche mal, hein. il faut que tu joues à une carte qui a 4 de patates pour le grossir, c'est pas... c'est pas ouf hein. Je suis pas d'accord avec ça. Il pump l'évolution. Ah et ça, ça peu pas. Ah t'as raison, Satan. Et en même temps, le petit pio il vole quoi. Il se buff sur le rajou. et euh, sur le rajou, je crois pas. Non, sur le rajout, ils se buff pas. Euh... Ah, collecteur de peau, ça aurait été pas mal, ouais. ils se buff que sur Miglose, le bousin. C'est un spell à 4. Ah, ok. Ah, ouais, donc ils se buff que sur Rajou quoi. C'est un peu naze. Bon, on va essayer, on va essayer. Euh... Pack leader, comment il s'appelle? Comment il se nomme le chef de mot? Ok on a quatre cartes à cut. Ouais, c'est ça le problème. J'ai 6 Je veux garder la vélocité de mono raid moi. Je veux absolument garder la vélocité de mono raid J'ai Miglos qui fait déjà staff, en fait. Ouais. C'est juste à mon avis, euh, Meneuse, c'est un peu meilleur que Feldorn. C'est probable, Eric. C'est pour ça qu'on teste ça. Hein. Je dois cutter dans une carte. Est-ce qu'on cut dans un Squee qui, qui est quand même assez exécrable contre tous les déniques decks. Faut mettre Arline. On peut pas mettre Arline. On peut pas, ça modifie trop le plan de jeu. Parce que si on met Arline, on retombe sur ce deck-là. Euh, attendez, je vous montre. Si on met Arlene. Euh, Chandra, ça dégage par exemple. Laissez-moi vous montrer. Euh, si on met harline on ressemble à ça en fait et ça bah je sais que ça fonctionne hein, mais c'est pas euh, c'est trop midrange moi je veux rester dans un dans une optique très agressive vous voyez l'idée enfin, c'est pas midrange mais c'est euh, midrange très dynamique quoi Ah, Est-ce que c'est pas ça au final le bon deck quoi On perd beaucoup en vélocité effectivement, contaminateur mais plus c'est... mais pas les dégâts ah, chasseuse d'orage c'est pas très bien, ça modifie pas tes bêtes. Strike, comment ça s'appelle C'est pas c'est écl... frappe, putain, je suis con. C'est frappe, ouais. 23. C'est pas le grul que t'as répondu, Day One. Ouais, mais justement, l'idée c'est que ce grul, j'aimerais le rendre plus véloce. plus des gens qui jouent des brass like dans des jeux créa ah, il y en aura toujours sur quoi on doit rogner ici Quelle est la carte Quelle est la carte qui doit partir C'est la meneuse, non Mais du coup, on a plus que oui, quel enfer. Contaminateur, c'est trop lent. Vous êtes sûr de ça Ah, adversaire, c'est la meilleure carte du deck, qui franchement. Quand tu joues Frappe foudroyante et s'amuse avec le feu, c'est trop bien. C'est trop bien. Ok, Contaminateur, maybe. Tu préfères Scuy à Contaminateur C'est pas la même carte, hein. C'est pas la même carte quoi. Parce que oui, ça grossit ça, mais pas ça. Ok, vas-y, on va essayer d'adapter cette gueule-là à MonoRaid. Je crois que dans notre plan, c'est pas Squee, c'est Contaminateur. Et Squee, on va le mettre en side. On teste un truc. Si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Mana base. On va être obligé de mettre des portails trans. Je vous le dis direct, déjà. Directos. Ah super, ça me les a déjà pré-enregistré. Super, trop bien. 19 OK. 23. Alors, on a combien de sources de rouge détapées 6. 10, 14, 16. Parfait. Combien de sources de verre Normalement, pareil. Une de moins, juste 5 et 8, 13 et de 15. Normalement, ça marche. Il n'y a plus de spell à récupérer. Il y a s'amuser. Frappe foudroyante, Terix. Sans reste j'y crois pas. Mais justement, on va avoir des cartes comme, euh, euh, comme Taivar, je ne sais pas quoi, là, qui va nous aider contre, contre Grixis. C'est aussi pour ça euh, que le verre est intéressant. Je crois que c'est protection de Taivar, Position de Taivar, ok, ok. Ça, c'est très bien contre Grixis, par exemple. taper ski moi je suis fou ah oh, mais je sais plus écrire qu'est-ce qui se passe merde alors alors qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on en pense de cette mouture là J'étais dans mon lit hier soir et je pensais à ça. Je me disais vas-y je, euh, je vais tester ça demain matin. Petite tech sur proliferate, c'est sympa de proliférer pendant son tour sur les Kumano. Affront adverse pour spoiler le plus un plus un. J'ai pas compris Vegiti euh, la tech. J'sais pas compris ce que tu voulais dire on teste ça c'est parti on va essayer de passer diamant ah oui on perd un peu de vélocité ouais c'est vrai ouais, c'est du standard il a de un dominus vert random c'est quoi un dominus velcro <coughs> Qui pont En tout cas, on aura un meilleur match-up en miroir de Monored. Et Monored est très présent. Donc déjà pour le ladder, notre deck, il est déjà de base pas trop mauvais. Oh non, je suis un connard Je peux pas jouer mon Kumano, quel con. Désolé les gens. Oh, je vais le payer cash quoi. Quel connard, c'est fou. Ah j'aurais dû avoir un Kumano qui buffe mon, mon contaminateur en 5-5. J'ai le euh... ce... <laughs> Rembourser mon sub. Désolé, Trollski. Ok, Vegichi, intéressant. J'ai compris, c'est bon. J'aurais dû avoir un Kumano ici qui, qui tourne. Ça peut se jouer à ça, hein, franchement. J'aimais bien euh, plutôt Miglos que le côté euh, Kumano proliflou parce que. Ça lui demandait d'avoir un anti spécifique pour avoir le droit d'attaquer avec son 2-2. Ouais, après anti double anti double fable, triple anti double fable, on va avoir beaucoup de mal. Si on va le faire, je pourrais jouer mon contaminateur après du coup. est Déjà très derrière, il a eu la, la bonne sortie pour nous temporiser. J'ai un coup mano de moins qui tourne et un marqueur de moins sur mon contaminateur, donc ça fait beaucoup de dégâts en moins. Et là, on aurait pu finir avec strike, mais je pense qu'il il va stabiliser trop Faudrait au moins qu'on ait un quatrième land là pour euh, espérer faire des dingueries avec notre Ouais En plus, il trouve moissonneur Kikijiki, ça va être très compliqué. Et là c'est all attack et maintenant on espère top deck des blasts. Il prend les points là What the fuck Ah bah c'est bon maintenant on a des top deck l'étal donc qu'on euh... Donc on est bon hein. Ah mais la combo double kiki jiki, moi je m'en fous hein. Tant que je peux top deck l'étal maintenant. Euh, c'est ce que fait monorid hein, d'ailleurs. Il met bas son, son adversaire en PV, l'adversaire stabilise et tu finis avec des blasts. Bon bah let's go. Ouais mais j'empêche double 2-2 de, de trade mon rajou et je le mets quand même à 3 qui a apporté de lightning strike. Merci le jeu. Ah, des fois le jeu c'est vraiment le GOAT quoi. C'est horrible de perdre sur frappe foudroyante. Ouais, mais c'est ce que propose notre jeu en même temps. Il avait qu'à pas se mettre à portée de frappe, mais complètement Gendiar, c'est la faute de l'opo là. Hein. Ah t'as vu LGMTT Ça bourre hein. Ça bourre, je suis à 12-2 avec mon orad. Squeez c'est pas bien. C'est bien mais... Euh, disons que comme j'ai beaucoup de possibilités de rentrée et peu de possibilités de sortie, j'ai pas voulu lui faire de la place à ce Squee, euh, je pense qu'il est mieux contre U White Control par exemple, genre on a des decks plus contrôlisants contre lesquels Squee va être bien, la Squee c'est une carte qui prend cut down et du coup je préfère Miglose et, et euh, le gros 4-4, euh, puisque que bah, eux ne prennent pas cut down, voilà l'argument. Ça vaut pas grand-chose quand il y a Twitch parce que les versions pétrole, c'est des versions qui essayent de, qui essayent un peu de grinder, tu sais, de faire des choses et genre le format est trop mid-range pour que tu puisses espérer passer au-dessus des decks mid-range. Donc ton option, c'est de passer en dessous et pour aller en dessous, faut aller direct à l'essentiel, euh, les trucs les plus véloces possibles et et dans ce cas-là, ça passe pas du tout par une synergie, notamment pétrole. C'est Janky quoi. Je crois que l'option ici c'est quand même de péter ça. Et on est dans le spot, où, de toute façon, on accepte de perdre sur Brothersend d'ici hein, je pense hein. Il n'y a pas le double rouge, faut il faut qu'il trouve rouge plus brother send. C'est un, un des arguments qui peut nous pousser à nous commit. Ok, il n'y a pas de brother send. Waouh, là ça va saigner pour lui. Hein. Je les vois pas de débanner des cartes en standard, ça arrive quasiment jamais viennois. Ça veut pas dire que ça serait pas bien, hein. juste que je les vois pas du tout le faire. Juste qu'est-ce que ça leur apporterait de débanner une carte Genre même si euh, Meetoo serait bonne pour le format, je, je pense pas qu'ils la débanneront. Il y a quand même double anti-bête, hein, le, le petit chameau là. Ouais, il y a des cartes ban en standard, mais tout massacre, notamment. Ça va encore, hein. touche les, les bonnes parties de son deck, euh, le Pouleto. Elle va être dur cette game. Elle va être compliqué. Ouais ah, en plus il trouve euh, moissonneur avec euh, reflet, ouais, ça c'est déjà c'est déjà l'enfer. Oh, tu vas faire une dinguerie. Ah non, ça va. Je peux payer qu'un mana, putain, dommage. Tomás, Tomás. Je crois que cette game on va pas la gagner. Hein. Pas vous mentir, on va passer en game 3, je pense. J'ai plus de cartes en main, il a stabilisé avec trop de PV. Et euh, ouais, c'est comme ça que, ça que ça fonctionne pas, quoi, du coup. Non. En fait, j'ai je, 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 pas euh, frappe foudroyante comme top deck létal, donc euh, bon. On ira, on ira pas plus loin, quoi. Tu vois, genre, la Squee est exécrable contre son sorin, par exemple. Ok ok. Un des meilleurs trucs qui est fait Fairy Tail, ça On est d'accord, ouais, Turn Black. On est d'accord. Très, très solide. On peut critiquer après cela dit. Hein. Euh, C'est les OST qui sauvent le, le truc, quoi. J'aime bien le voir faire une sortie sans rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas Brother's End qui peut nous attaquer dès le tour 3. Et ça fait une vraie diff. Là je joue un peu de malchance malheureusement. Il est venu nous pourrir un peu à chaque fois ce land là. Ouf. Non mais franchement quoi, le jeu s'il te plaît quoi. On va pas perdre comme ça, sans déconner. Je joue deux fonderies. 2 de 2 On peut pas en jouer 3 avec notre mana base, je pense. C'est pas possible. Donne-moi un land, putain. S'il te plaît. Merci. Waouh, j'ai eu peur. Je me suis dit qu'elle allait très mal se passer cette game sinon. Allez, là, on le met à portée de frappe foudroyante et de Raiju. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Encore un land, Raiju, on attaque face. Et après, on finit à la frappe. On n'est pas loin, on n'est pas loin du tout. Regardez, des mecs disparaissent contre nous. Bon, en vrai, ça se fait, c'est normal. Allez, on n'est pas loin. Let's go Bon j'attendais le meilleur timing pour frappe foudroyante parce que il pouvait me la contrer là si je la jouais euh, bêtement. Genre je sais pas s'il avait gardé une negate ou quoi donc je, je voulais attendre qu'il se fout le tape quoi. Bon bah, ça fait plaisir euh, quand même. Sans déconner. Il joue des Negates Mendeg. Je sais pas, hein, mais j'ai rencontré des oppos qui gardaient leurs Negates contre nous en pensant que c'était bien de contrer Kumano. Donc euh... Euh, je pense qu'il faut pas le faire, mais sur le ladder, les gens euh, euh, choisissent pas forcément les, les meilleurs plays, les meilleures lignes. Donc euh, ça me coûtait rien d'attendre, en fait. Pour tourner autour de toutes les possibilités, même les plus, les plus farfelues. Une fois qu'il est à 3, bon, bah, maintenant, j'ai plus qu'à attendre le meilleur spot. Le meilleur spot c'est quand il est full tap. J'étais pas incité à prendre un risque aussi insignifiant soit-il, tu vois. Ouais, nickel. On commence par Kumano et le tour d'après on pourra tout faire. Oh là, comment est-ce qu'on est-ce qu'on coordonne Faut commencer par Kumano je crois, whatever. Et après on fera évolution dans Kumano qui permettra de buffer ou adversaire ou chef. Ok. C'est vraiment tellement une bonne carte ça. Mon dieu, quel plaisir. On va affronter 6, que plutôt un bon match-up. Ça nous va. Ça, ça pue la, la mec d'Isopia. Hein. Ouais, ouais. No surprise. Mais on est là. Hein. On a fait un 20ème du taf là. Un dixième maintenant. Il jouerait que Blue Black Non, c'est pas possible de pas jouer Fab dans ce deck. Allez le jeu, allez, allez, on est là, dépêche-toi, merci. Allez, allez. Ah, ah ouais, il joue un truc chelou, d'accord. Bon bah super, tant mieux pour nous. Ah, tant mieux pour nous. Ça, ça prend pas que de dents comme ça. Puis on va play wi fire ce truc, je pense, histoire de rentrer des dégâts. Je pense qu'il va passer un mauvais moment, lui. S'il joue des, clandest... des clandestines suspectes, euh, vraiment, euh, son cœur de cible, ce qu'il cherchait à battre, c'était vraiment pas nous, quoi. Genre, tu joues Dimir Tempo, clandestine suspecte, tu prends Gru Lagro, tu te dis, ah, quand même. Quand même, j'ai pas de chance. Vas-y, cut down le, le Kumano. Ok, Vortex de Rona. C'est très gentil euh, de nous redonner l'opportunité de... de rejouer nos spells. En même temps, c'est un peu loin, donc je vais pas me, je vais pas m'emmerder. Si je joue tempo, je le vois pas jouer des brasses, ça, ça ferait pas tellement sens. Il a déjà plus de cartes en main, il a pas le board. Il va passer un moment, mais. D'une du... désagréabilité. Non, on n'a pas, pas de news, Fidzouné, On n'a pas de news, j'aimerais bien. Hein. Ça serait une belle vitrine pour le jeu si la série est bonne. Hein. Mais. Pour l'instant, on ne sait pas du tout, quoi. Bon, bah, j'ai 9 points ici. C'est bon, je crois, on a gagné. Hein. Ce sera fin de tour frappe foudroyante. À notre tour frappe foudroyante. Let's go plutôt bien ce jeu. À ah, moins un deck où je peux jouer frappe foudroyante, je suis toujours content de toute façon. Il a pas de galère. Euh, C'est possible que squeeze, ça soit un peu mieux que contaminateur. C'est très kiff kiff. On peut vouloir se protéger une chouille peut-être. Miglos ça a l'air quand même un peu un peu too late quoi. Ok. Non moi j'ai pas de news. Après je t'avoue que je me suis pas renseigné, je me suis pas intéressé. Peut-être que le chat a des news. Peut-être que le chat en sait un peu plus où ça en est cette série. Il y a peut-être des gens que ça intéresse beaucoup et qui se renseignent quoi. Non mais j'aime frappe foudroyante quand elles sont dans le bon deck. Euh, non. C'est pas le plan de Grixis. Ça c'est vraiment ça empêche tes de prendre cut down, c'est excellent quand même. Exceptionnel. je vais pas euh, tellement m'exprimer définitivement sur ça euh, maître gogno parce que bah je sais pas ce que ça sera je j'ai pas vécu j'ai pas vu le set et du coup je sais pas quelle sensation ça nous fera d'avoir un set qui sort un mois après un premier set mais qui est en fait un set d'extension d'une extension principale moi dans l'idée j'aime pas voilà si tu me demandes mon avis ça me fait chier qu'il fasse ça OTC. Euh, parce que c'est encore une manière de rajouter de l'actualité et du sous-produit à un produit déjà présent. Après, si au final ça permet de rendre le truc un peu plus digeste et tout, pourquoi pas Mais dans l'idée, March of the Machine et March of the Machine conséquence qui sort un mois après, pour moi de base, c'est non. Voilà. Si tu veux mon avis. Parce que j'avais envie de jouer mon évolutive avant pour qu'elle puisse du coup se faire évoluer par l'adversaire. Donc, non, pas méga chaud pour March of the Machine Aftermath, mais euh, écoute, j'espère être agréablement surpris et me tromper. Ouais, c'est bien Arcane Lancelot. N'hésite pas. Ouais, c'est du DLC d'extension et enfin non quoi. Pas pas chaud. Kumano empêche tes cartes de prendre cut down. Après là, euh, juste le play était meilleur quoi. Le play était meilleur de jouer là. 1. Mais si jamais on avait que. En fait, quand je dis ça, j'ai pas la 1, elle me rentre en main sur le tour. Ah oui, le timing était. Oui, oui, le timing était marrant. Ça marche, Fidzouné. À bientôt. Bah, un mois après l'extension March of the Machine qui sort en standard, t'as un DLC d'extension qui sort avec 50 cartes disponibles qui s'appelle March of the Machine After Mass et qui vient du coup compléter et être une extension supplémentaire de standard. Et bah ça fait... Euh, ça c'est juste trop, on n'a pas besoin, quoi. Ouais, mais c'est bon, l'actualité sur Magic, là, elle est maintenue, quoi. Il y, y a pas de galère. Elle est même un peu trop maintenue, tu vois, donc... Euh... Bon, il a quand même un milliard d'anti-bêtes, lui, hein. Je pense quand même pas que ça rehausse tellement son match-up, mais... faire attention. C'est quoi, c'est le label hip-hop des, des années 2000, le viennois Aftermath c'est c'est Dre Eminem ou pas du tout Je connais mal, mais, euh... mais j'avoue que le nom me parle. Le label de Dre Eminem, ouais, c'est ça. Ouais, comme quoi, je ne suis pas si mauvais. Celui qui a lancé 50 Cent, ouais, c'est ça. C'est bon, j'ai. J'ai la culture la cultivation Pourquoi il garde des kaito contre nous, c'est exécrable, non Je pense que c'est vraiment Eclatide dans le sol. Mais pourquoi pas Ah, je suis pas aussi pointu que toi, LGMTT, c'est pas trop ma musique de prédilection le hip-hop, même si j'aime beaucoup toute cette vibe, euh, tu sais j'ai la nostalgie de l'enfance quoi. Toute cette vibe année 2000, euh, les Eminem et compagnie. ouais ça m'a beaucoup parlé à une époque ouais. Je kiffe bien tu vois en tant que son nostalgie quoi. Ouais. Zinzin. Et moi, je pioche que des landes. Là, pour mettre les derniers points, on va devoir se battre. Hein. Putain, ça va pas être facile. Ça va quand même que, après Side, il a des vraies options. Hein. Avec son avaleur de chair, là. C'est bien contre Agro. Je pense quand même pas que son deck est bien. Spoiler, je jouais pas ça, mais euh... mais il a de quoi, il a de quoi s'adapter à aggro entre emprise parasitaire et à valeur de de C'est pas si mal. Par contre, les Kaito, genre, faut pas les garder. Hein. Je sais pas, il a peut-être trop d'autres choses à sortir contre nous, genre tous les contre morts et tout, mais mais Kaito, c'est vraiment naze quoi. Le rail-joue. le rail-joue qui, euh, qui s'il si passe va faire beaucoup de mal. Et il est passé. Hein. Il est passé le poulet. Il va reprendre un flèche gorgeur, on va pouvoir le péter avec ça. Je crois qu'on a gagné. Hein. S'il fait 7 mana flèche-gorgeur, on a gagné. Ce serait pas mal. Je suis sûr qu'il va faire 7 mana flèche-gorgeur. Les gens sont trop greedy. Alors que 3 mana flèche-gorgeur, ça suffirait, tu vois. Avec ouais, bet, Up. Mais il va nous le faire, son 7 mana flèche-gorgeur. Like a boss. Allez, t'es le boss. Allez, hail. Pose ton gros flèche gorgeur. Let's go. Ouais, je suis sûr de prendre 7 dans la trogne, ouais. <laughs> pas de galère. Je suis au courant de ce qui se passe. Dommage qu'il n'ait pas attaqué. Il a... je... Tu vois il, il, il aurait pu se sentir giga safe avec son avaleur de chair quoi. Genre on joue rouge, on n'a aucun moyen de passer 5 de patates, 5 de défense. Si on n'avait pas Bose et joue genre euh, on le passait jamais, tu vois. Donc il aurait pu attaquer avec son 1. Il était, il était bon, il était conservateur, bien joué. On aurait instant win s'il avait attaqué avec son 1, mais... Il s'est pas senti assez confiant quoi. Pourtant si j'ai pas Bose et joue joue, genre, euh, bah, genre je peux rien faire quoi. Ouais, à d'après, c'est vrai. Alors, à moins ce qu'il ait gardé negate contre nous euh, après side, mais je crois pas. Donc là, c'est le bon spot. Je vais pas lui donner plus de draw. Let's go! 2-0. Go to diamant, exceptionnel. Bon, est-ce que le vert, ça fait plus de bien que de mal à notre deck? Je sais pas, en vrai. Hein. Ça donne quoi, monoblack, dans la méta actuelle? Ça arrive pas à battre Grixis, monoblanc et compagnie. C'est très bien si tu rencontres beaucoup de soldats et de, et de mono red. C'est bien contre les decks créatures, en fait. Mais. Euh... Genre, c'est une moins bonne option que Grixis. On se régale à bourrer les gens là, c'est euh, un plaisir quoi. Ça reste fun en gros. Ouais, non, c'est un bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deck qui est le mieux positionné du moment. Là, on va lui faire une bonne sortie, là, je pense. On va faire Kumano dans Meneuse, dans Antibet S'amuser avec le Feu, dans Reijou, Et, euh, et l'oppo va décéder. Hein. Ah, 11-17, ouais, parce qu'on sait c'est correct. Enfin, c'est fine, tu vois. On va en plus avoir le luxe de faire une petite Meneuse en plus de s'amuser avec le Feu. Là, tu nous poses un petit, un petit moissonneur, là. Pépouse. Ah oui. Oh là 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 là. Oh, on va se mettre doux Oh on va se mettre tout doux et en plus on a le Raju arrive. Exceptionnel. Oh non c'est trop. Ah je pense qu'il peut déjà concéder. Ah oh, il chope plus ça avec Brother's End. C'est finito. C'est finito. Pipo emballé. C'est pesé. Oh, il peut partir. Allez. Ciao. Non, c'était trop. C'était trop. C'était évidemment trop. C'était trop pour l'adversaire. Il y avait de la souffrance, quoi. Ah bon! <laughs> y a pas de prénom. Finito, Pipo enzaghi. Ah non, merde! J'ai oublié de rentrer les anti-sholdreds, je suis trop con. J'ai oublié de rentrer les anti raid. Quel débile! Eh bah, ben, bah c'est bien! C'est bien, c'est bien. Ouais bah j'ai oublié de... J'espère qu'on va pas se prendre une shoulder de T4. Je vais refaire une meneuse qui prendra pas cut down, c'est plutôt bien. Eh, J'aurais voulu rentrer salve en tout cas à Zidra, j'ai oublié. J'ai complètement zappé. J'ai été con. Je vais meneuse parce que ça meurt pas sur euh, moissonneur du fait qu'on ait le buff de Kumano et j'essaierai de tuer le moissonneur le tour d'après par exemple. Ah, le contaminateur il marche mieux avec... Euh, pas avec ça, avec euh, le tour à un vert. Ça prend pas que de ça prend pas moissonneur, il n'y a plus que euh, Go for the Thros qui marche. Ouh, c'est un humain? Non, ça va. Ça, c'était méchant. Pour le coup. Evolving Adaptive, exactement, G6ED. Mais on pourra avoir des squee, hein, c'est pas déconnant. Après lui, tu vois, il joue des corps prizer. Squee ça attaque mal dans Corpse Praiser. S'il joue des Sorin ça attaque mal dans ses 2-3 lifelink. Euh, mon 4-4, il attaque dans ses corps prizer, quoi. Donc euh, Je suis pas certain que Squee soit meilleur contre lui. Je pense que Squee c'est bien contre U-Wide Control, bien lourd, tu vois. C'est plutôt contre ces decks-là que je veux Squee, je pense. T'as un autre anti-bête, poulet T'es clafi Ah, il est clafi. J'ai été gourmand. J'étais pas obligé, en vrai. J'étais pas obligé, j'aurais pu battre euh, mec 10 Pierre. Mais j'avais envie de mettre plus de dégâts. Ah, j'ai été bête. J'ai été un peu bête. Oh, il m'enlève pas euh, Lightning Strike Oh, l'erreur Ah non, il peut pas, c'est qu'une créature. Non, non, pas l'erreur, pas l'erreur, pardon. C'est moi, c'est moi. C'est moi, Doug. Je dis de la merde. Ça arrive. Souvent. Il peut pas m'enlever la strike. Bon là je suis un peu épuisé, je lui ai pas mis tant de dégâts que ça. Hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf quoi. Il Faut vraiment qu'il pioche mal maintenant. Parce que s'il stabilise à 16 PV, c'est une catastrophe. Ok, ça c'est un bon signe pour l'instant. C'est bon signe. On s'en fout de ça. Ça stabilise pas. C'est ça qui lui donne un stop. Hein. Il a que dalle le type. Plus trois et je garde une position de Taïwa au cas où. De créa et trop de removal. Ouais ouais, elle a fait une bonne sortie, mais pour l'instant ça va, il stabilise pas des masses quoi. Ah ah ouais ça c'est une catastrophe. Ça c'est pas mal. Ok, ça, ça veut dire qu'il mouline encore. C'est une bonne nouvelle. J'ai eu de la chance de repiocher cet adversaire pour continuer à être un peu dans la game. C'est pas dit que ça suffise. Ah, il a trouvé un Brother Send. Encore. Allez, un raid joue maintenant Non, c'est pas, pas un raid joue. C'est pas un Raiju. Ah, c'est à la célérité. J'aurais pu coller deux points. Ouais. J'ai un, un peu fait de la merde. Ouais, là il a stabilisé à 8, ça me paraît. Je vais regarder ce que je pioche, mais ça me paraît plus possible quoi. Il a stabilisé trop. Faut qu'il stabilise à 5 ou à 3 pour qu'on soit sûr de tuer. En piochant une strike, on en a déjà passé une. Ouais, bah, ça va être chaud. Il a plein de mana, plein accès à plein de cartes. Il va avoir un gros bloqueur. C'est un peu poubelle là. On peut essayer de la voler, s'il n'a pas d'antibète, mais bon, ça va être compliqué. Oh, ça peut le faire en vrai. Hein. Ça peut lui poser un problème, ce miglose. Ça peut lui poser un problème. What does Matival mean? Uh, it's my name and and um, game of word with morning, morning and my name. In French, it's Machival. Donc, so je stream the, in the morning. Méchante soldat. Bah, LGLMTT, je fais comme je peux. And welcome, Corambus. Il n'a pas cherché à crou, il passe au bloqueur. ça serait à plus 8, plus 8 ou alors je pète le brise non si c'est mieux permet d'attaquer en menace le tour d'après c'est pas mal ah, elle va être dure à gagner quand même cette game je vais pas vous mentir que la raid là elle nous met mal quoi Quelle, quelle bonne carte, cette childred, hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Gloutonne-toi de PV. Oh, C'est trop, maintenant. <laughs> N'importe quoi. Merci, Olyrias, d'être passé ce matin. Bonne matinée. Ok. <coughs> Salut Caplan, merci pour le sub. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne et que vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Amazon Prime directement à votre compte Twitch, euh, ce qui vous permet du coup d'offrir un sub gratuit tous les mois à un créateur de contenu de votre choix. Si jamais vous nous choisissez avec PL, bah merci beaucoup, c'est super sympa et, euh, et c'est totalement gratuit en fait tous les mois vous avez un sub dès que vous avez un compte Amazon Prime qui est offert et qui se perd si jamais vous le donnez pas si vous regardez Last of Us euh, les Anneaux de Pouvoir typiquement donc toutes les bonnes séries d'Amazon bah en fait vous avez un sub gratuit quoi euh, ça se passe juste en dessous du lecteur, il suffit juste de lier vos, vos comptes et, et puis vous avez le petit sub à donner quoi donc n'hésitez pas, ça nous soutient, merci beaucoup fait pas une sortie kumano et tout elle va mal se passer cette game je crois elle va pas du tout bien se passer je crois <coughs> on va prendre mec 10 de pire c'est pas très grave ils l'ont tout le temps, quand même. Cela dit, hein. faudrait pas prendre fable maintenant. Ce serait le plus relou. Corpse Praiser, c'est pas, c'est chiant aussi, quoi. C'est quand même très chiant. Ah, si tu regardes la game qu'on a fait il y a deux games de ça, on n'a enlevé aucune vitesse à notre deck. Hein. Ça dépend. Hein. En fait tu troques un peu de vélocité mais tu es quand même capable de faire des sorties giga patate contre, euh, contre une prise de board qui est plus importante quoi. Tu peux quand même plus de dégâts avec Grul qu'avec Monored, c'est juste qu'effectivement toutes tes bêtes ont pas la célérité. Mais quand tu regardes la sortie qu'on lui a fait en game 1, à Ulza, on la détruit quoi. Nous pose une petite shoulder Ulza, comme ça on clean ça. Je serais chaud. Non mais je suis d'accord thunder je sais pas si ma version est meilleure que la version mono c'était surtout pour tester quoi. Ok ça ça me va, c'est assez molasse. Est-ce que je pêche 8 dégâts là Ou pas Pas certain. Hein pas certain. Par contre, je vais péter son brisebank, je pense. Ouais bah j'aime bien Grul aussi, euh, Leafender, c'est partie des, des archétypes que j'aime bien euh, Grul. Plus que Mono Red dans l'idée donc euh... ça m'intriguait aussi d'essayer de, de trouver un bon mix entre le Grul Modify que j'avais fait en début de, de standard et le mono red qui fonctionne bien sur le ladder et je voulais essayer de trouver le meilleur des deux mondes. Parfois le meilleur des deux mondes, ça marche pas. Hein, mais euh, mais c'était important pour moi pardon, d'essayer, quoi. Faut aussi voir que Gruul ça prend moins Brothers End que Mono vert parce que t'as des stats 4-4 sur tes drop 3. Ça fait, aussi, euh, ça fait aussi sens, pareil pour la meneuse, elle devient vite 4-4 quand t'as un Kumano qui est passé avant. Pour le coup, t'es moins sensible à Brother's End. Donc il y a quelques arguments pour Gruul. Hein. En mirror, Gruul contre Mono tu vas avoir l'avantage. Donc c'est pas totalement délirant de jouer Grul, même si on perd un peu de vélocité. Il y a quand même pas mal d'arguments aussi qui peuvent jouer en la faveur de, de Gruul. Ça, ça, change, ça sent le pardon le cut down ouais oh, fine fine est ce qu'on veut le passer à 5 le type non c'est trop risqué il peut faire anti en réponse je vais plutôt proposer une meneuse Ça tournait mieux autour de mec -10, pire, cela dit de, de pusher de dégâts de plus, mais il en a déjà passé deux, je vais pas tourner autour du troisième, c'est peut-être les, les deux seuls qui l'amènent deck après side. Bah elle sert d'appât, oui et non, parce que quand il y a un Kumano qui est passé avant, elle arrive 3-3. Putain j'aurais dû tourner autour du troisième Nick 18 je suis assez étonné. Elle arrive 3-3 et elle prend pas cut down quoi. Mais oui, elle sert de paratonnerre. Waouh, ouais, il a... Ok. C'est un humain euh, Miglose? Non. Non, 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 attends. Firection est bête. Ah oui, mais non, 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 il a payé 3. Dans tous les cas, ça fait gagner 3 points de vie. Ouais, je suis bête. Ok, ok. Fait chier qu'il a regagné 3 pèves. Hein. Allez, n'est que dalle là. Que dalle. Ou aussi, une seule raid. Stabilise avec une shoulder t'es T'kt. Ça va bien se passer. Genre pas avec ça quoi. Ah il creuse, hein. il a pas ce qu'il faut. Il a pas l'antibète pour Miglos. Miglos c'est un vrai argument aussi quand même. Hein. Franchement euh, là euh, tout seul c'est une menace de push. Genre 8 dégâts quoi. Ça pète les brise banques ça, ça fait quand même beaucoup de trucs, miglose, quoi. Non, le tue pas. Merci, nous, Tony, pour le prime. Merci beaucoup. Non, ne tue pas mon miglose, enfin, Ulza, s'il te plaît. Respectons-nous. Entre personnes civilisées, quoi. Bon, ça va. Allez, ça mange pas de pain. On paye un petit mana. Ça me va, si bloque ici, je pense. Et on va push de dégâts, je pense. On veut push plus ou pas Je crois qu'il faut le mettre à portée de, de strike si on peut. Et s'il a anti-bet, on est rect. Mais il a pas anti-bet. Ok ça sent bon, maintenant on est à, on est à combien de top deck On est à 6 euh, top deck de gagner, donc ça ou ça ça nous fait gagner. Je pense qu'il a plus de contre. On n'a plus de fight with fire par contre. On est à 6 cartes sur 47 de gagner, ce qui nous donne un pourcentage d'une chance sur 8 à chaque draw de gagner, quoi. C'est fine. Et en plus on a notre salve rebre... euh, notre salve rebelle contre Sholdred. Donc normalement tout devrait bien se passer. Ah ouais, ok, il en est là. Ah oh non On n'a plus l'étale. Il y a Raiju qui tue. Et je pioche deux lentes d'affilée sur le spot où il faut absolument que j'arrive à, à tuer. Putain, c'est rageant quoi. Raiju. C'est dur. Hein. Non, arrête avec les landes. Ma fenêtre de tir est très très euh... restreinte, quoi. Si on retrouve une raid on va perdre cette game. Ça me rend zinzin. J'ai pas envie. Ouais, ça, ça, ça commence à devenir une catastrophe. Il faut bien piocher là. Allez là, donnez-moi la strike s'il vous plaît. Le chat, tous avec moi. Ah, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, please. Mais bon, du coup, j'ai encore quelques draws. J'ai encore quelques draws, parce que du coup s'il a une Shoulder edge, je peux... vous avez compris. Ouais. Je pense qu'il a plus de contre-sorts, hein. après ces trois mecs disent le pire, devrait aller. Je vais peut-être être obligé de tuer ça en fait. Hein. Je suis obligé de tuer ça. C'est trop grave s'il commence à copier des évaluateurs pour aller chercher. Ou Sholdred ou des emprises, quoi. C'est une catastrophe. C'est Céland là, il nous tue. Hein. Oh yes. Pas de contre-sort poulet, yes Let's go ah, Je pouvais pas savoir que j'avais pioché ça, donc... Euh je, je, je pouvais pas anticiper que j'allais piocher l'étale avec un Kumano Donc je pense que c'était plus safe de, de garder pour une Shoulder Et d'attendre patiemment de piocher ma Strike Tant qu'il pouvait pas gagner de PV quoi Bon on se bat à chaque fois hein. oh. Il était obligé de bloquer Ouais mais je perdais mon Anti Shoulder Raid quoi je, je sais pas si c'était spécifiquement mieux Ok, ok. Bah écoutez, euh, moi, plutôt satisfait quand même hein, de, de Grulbush. Hein. Je n'ai pas trouvé ça spécialement moins bien que Monored, hein, très honnêtement. Qu'est-ce qu'on en pense, le chat En fait, faut estimer à quel point l'ajout du verre a eu une certaine pertinence, tu vois. En enfin, position de tailleur, c'est quand même ok. Miglose, il a fait le taf. Là, c'est lui qui nous permet de pêcher les derniers dégâts. Là où Monored aurait peut-être eu plus de mal. On a moins de résilience parce qu'on n'a plus les Pity Pew et les, et les Squeeze Deck. Mais en vrai, c'était dur quand même de les faire revenir, que ce soit l'un ou l'autre. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Bon, je vais vous laisser là euh, pour cette mativale. Merci à tous de l'avoir la, suivi. C'était euh, euh, très très sympa de, de pouvoir prendre le temps de discuter au début du live et ensuite de tester Grulle. On se retrouve très prochainement. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'est le prochain stream. Moi, ce week-end, je ne pourrais pas streamer parce que demain matin, je vais à l'escalade. Et euh, dimanche matin, bah, euh, j'aurai fait le, la soirée d'anniversaire de ma compagne. On a euh, 30 ou 40 personnes qui viennent à la maison. Je ne sais pas comment on va faire dans 60 mètres mais, carrés. Mais voilà, grosse soirée pour, euh, pour les 32 ans de ma compagne. Euh, en plus, il y a des chances que euh, à la fin de la soirée à 4h du mat on reste devant la, la télé pour regarder euh, Cyril Gann euh, contre John Jones. Donc et, autant vous dire que dimanche matin je ne serai pas de ce monde pour, euh, pour pouvoir euh, vous streamer euh, un retour vers le par exemple. Euh, donc à mon avis, euh, prochain live, euh, PL lundi matin, je crois. PL lundi matin pour son live habituel. Et puis sinon euh, vous avez toujours les vidéos YouTube qui sortent à euh, 18h. Merci à tous. D'avoir regardé cette petite mativale. On se retrouve très bientôt. Passez un bon week-end et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Merci à tous.